tous, merci de nous recevoir. Bonsoir, bienvenue sur le bateau de Ça se discute. Comme chaque mercredi soir, à 22h40, 22h45. Bonsoir donc, bonsoir ou rebonsoir. La soirée continue sur France 2. Nous prolongeons avec Ça se discute la réflexion ouverte ce soir et de belle manière par ce téléfilm inédit que vous proposez France 2, juste une question d'amour. Les enfants rendent heureux, c'est vous qui le dites d'après un sondage IFOP publié par l'Express l'année dernière. Vous aviez déclaré d'après ce sondage sur la méthode des quotas que l'élément le plus important pour réussir sa vie était avant tout avoir des enfants, bien avant de réussir sa vie professionnelle et même sa vie amoureuse. Alors voilà pour l'intention, dans la réalité ce n'est pas toujours la même limonade, car les enfants qu'on a rêvés et qu'on a faits ne deviennent pas toujours en grandissant les enfants qu'on avait justement rêvés. Qu'ai-je fait pour avoir des enfants comme ça? On entend ça souvent dans la bouche d'une maman ou d'un papa agacé. Cela prend parfois les tournures délicates, très délicates. Quand les petits soucis deviennent des gros problèmes, on peut alors se poser la question que nous posons ce soir. Peut-on tout accepter de ses enfants? Je vous présente nos invités qui vont illustrer ce débat. Question d'abord qu'a dû se poser Sophie. Bonsoir madame, votre fille s'est convertie à l'islam il y a un an. Elle porte désormais le tchador, ce qui est assez exotique a priori, mais aussi assez déroutant pour une maman catholique. Vous nous direz pourquoi vous avez l'impression qu'en se convertissant, elle vous a d'une certaine manière renié. On développera tout à l'heure. Yves et Claude, bonsoir à tous les deux et bienvenue. Vous êtes père et fils, Yves communiste convaincu, Claude libéral forcené, chef d'entreprise à son compte. Yves très sage dans sa vie, très mesuré, très carré. Claude plus à la marge. Par exemple, tatoué, percé, vous vous acceptez tous les deux, vous nous direz pourquoi vous ne vous comprenez pas toujours. À vos côtés, deux femmes, Morissette et Anne-Catherine, bonsoir à toutes les deux. Et Lalou. Alors Lalou, c'est pas le nom que vous a donné votre maman. Voilà. Mais c'est le vôtre quand même. Voilà. C'est ça Morissette? Oui, oui. Vous êtes d'accord avec elle? Pas complètement, mais j'accepte. D'accord. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, elles sont également très différentes, ne se sont pas toujours bien acceptées, n'est-ce pas Lalou? Voilà. Voilà. On essaiera de comprendre comment vous êtes passés un peu à côté l'une de l'autre pendant quelques années. Enfin, à vos côtés, Eliette. Bonsoir, Eliette. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Vous avez subi pendant 5 ans la toxicomanie de votre fils John, qui était accroché à l'héroïne. Vous nous raconterez comment, en dépit de la honte que vous avez pu éprouver, parfois dans des situations publiques, vous n'avez cessé de l'aimer et de l'aider. Avant qu'on démarre cette émission, en écoutant le commentaire de Violette, on va écouter le commentaire de Violette Saumin à propos justement du téléfilm qui donne son thème à notre soirée. Violette, où est-ce qu'elle est? Bonsoir madame, bienvenue. Vous avez vécu une histoire comparable en fait à celle de la maman interprétée par ce jeune homme Tout dans le fait. Film. Est-ce que vous êtes reconnue dans son personnage? Je me suis reconnue entre Emma et Jeanne. Entre les deux mamans oui, donc, pas, qui ont chacune... Je ne suis pas Jeanne, je ne suis pas Emma, mais je suis entre les deux. Emma, elle a donc accepté d'emblée par amour pour son fils. Jeanne était beaucoup plus, un petit peu avec son mari contre, et puis ils avaient perdu leur fils quand ils ont su l'homosexualité donc de leur fils. Mmh. Et moi j'ai la réaction d'Emma, en ayant beaucoup souffert, j'ai la réaction d'Emma d'avoir ouvert les bras pour l'amour de mon fils. J'en ai quand même deux. Donc il a fallu apprendre l'homosexualité du premier, il y a 6 ans, et sur le moment tout s'écroule. Alors, comme il l'a présenté en pleurant, donc la première réaction était de le consoler, mais quand il est parti... Quel âge avait-il? Il avait 22 ans. Ouais. Et là, je l'ai laissé repartir à l'école. Il a manqué l'école, son école où il était, il l'a manqué. C'est la grande école, pas une école, c'était une grande école, ouais. Bien sûr. Et je l'ai renvoyé à son école après l'avoir consolé. Et puis là, j'ai fait taper toutes les portes de la cuisine, toute la cuisine intégrée, tout valnaguer dans la maison parce que j'avais une souffrance inimaginable qui est sortie de moi. Et donc, je ne l'ai pas montré. C'était pour le premier, ça, madame? C'est le premier, oui. Et pour le second, quel âge avait-il? Alors là, 28 moins 3, 25. Et il n'osait pas me le dire pour ne pas me faire de peine, le second. C'était combien d'années après le premier? 3 ans après. Donc, ce sont des jumeaux? Oui. Ah oui. Ils font tout pareil et je n'avais pas voulu voir. Et donc, quand j'ai fini par comprendre, j'ai dit aux frères jumeaux... Le premier, donc, je lui ai dit, écoute, j'ai compris pour ton frère, mais tu lui diras que je ne veux rien savoir. Je ne supporte pas, je ne suis pas prête du tout. Pour le moment, je ne veux pas en entendre parler. C'est bizarre que les deux jumeaux ne voulaient pas dire en même temps, non? Non, parce que le deuxième voulait s'assumer. Ils ont énormément lutté. Ils voulaient absolument essayer d'être avec... d'essayer de pouvoir aller avec une fille. Ouais. Et ils ont vu en désespoir de cause que ça ne marchait pas. Donc, ils ont fini par s'accepter, mais ça a été un deuil. De la vie, entre guillemets, classique. Ça, c'est pour les enfants. Hein, ça, c'est pour les enfants. L'un puis l'autre, et pour la maman, justement. Pour moi. Est-ce que vous avez souffert, et pourquoi vous avez souffert? La culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais donc divorcée?
Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est le divorce? Est-ce que c'est que j'étais trop proche d'eux? Il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent. Est-ce qu'ils ont fait un blocage de la sexualité à cause de moi? Donc beaucoup de culpabilité. Vous l'avez accepté maintenant? Maintenant, oui, tout à fait. Mais ça a été tout à fait progressif. Ah oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps et il y a une association où j'ai pu aller trouver de l'aide, qui existe à Paris et quelques villes de province. Et là, j'ai rencontré des parents qui ont suivi un chemin un peu identique, parce qu'on a tous le problème de la culpabilité. Et donc, j'ai fait beaucoup, j'ai pu en parler. Et la première fois que je l'ai dit à ma famille, ça a été en mars 99. De quelle manière, donc longtemps après, de quelle manière vous avez culpabilisé? Qu'est-ce qui vous rendait ça aussi difficile ou insupportable? La culpabilité de se dire que peut-être c'est à cause de moi qu'ils souffrent, c'est à cause de moi qu'ils n'auront pas d'enfants, parce qu'eux-mêmes, ils voulaient une vie classique. Hein. Est-ce qu'ils souffrent? Bah maintenant, non, ils se sont acceptés. Ah, mais voilà. Ils ne souffrent plus du moment où ils s'acceptent. C'est-à-dire que les homosexuels, ce que j'ai bien compris à travers mes enfants, qu'ils vont être heureux, et ils sont heureux au moment où ils peuvent assumer leur propre homosexualité, et au moment où donc ils sont aimés des autres tels qu'ils sont, parce qu'ils veulent être aimés tels qu'ils sont. Et le rôle de la maman dans tout ça, pour les rendre heureux aussi, elle doit à son tour les assumer, les comprendre, voilà. accepter leurs petits amis et se retrouver finalement dans une ambiance qui est proche d'une famille classique. Oui, et tout à fait accepter les petits amis. Bon, ça a pris du temps, madame. Oui. Est-ce que vous avez pensé à un moment, même fugacement, à couper les ponts avec eux? J'aurais pas pu, non. J'ai eu mal, mais j'aurais jamais pu couper les ponts parce que je les aime trop. Quelle image vous aviez de l'homosexualité avant que le premier... Elle n'était pas très bonne parce que j'ai été élevée dans la vieille école de vie où on nous disait que quelqu'un qui se tient par la main dans la rue, ce sont des futurs mariés. Un garçon et une fille qui se tiennent par la main, c'était des futurs mariés. Donc pour moi, à 17 ans, j'avais vu deux garçons s'embrasser, le vrai baiser, donc j'ai été complètement sous le choc. Je ne comprenais pas parce que je ne savais rien. À 19 ans, je ne savais même pas embrasser. Oh. Donc c'était la vraie... Non mais j'ai 60 ans et j'ai reçu la vieille éducation. Ah, vous ne le faites pas, madame, du tout. Hein. Oui, mais c'était la vieille éducation. Ouais. Hein. Et depuis? Alors, qu'en dira-t-on avec tout ça? Donc ouais. Quand j'avais su l'homosexualité, je voulais déménager, quitter la ville où j'habite. Il y avait vraiment tout qui me choquait. Merci Violette, en tout cas, qu'on peut remercier pour son témoignage qu'elle nous a apporté ce soir. Je vais maintenant vous présenter une femme qui incarne en cette année 2000 la réussite du cinéma français. Après une longue carrière de scénariste, elle vient de réaliser son premier film, 1,5 million d'entrées, 4 nominations au prochain César. Je vous demande d'applaudir la réalisatrice du film La Bûche, Danielle Thompson, qui est notre chroniqueuse ce soir. Bonsoir Danielle. Bienvenue. Vous en avez aussi des enfants, Daniel, oui, deux dans la vie, trois, deux, oui. Trois dans le film, si je puis dire. Bon, plein dans le film, tous les comédiens. Des tas dans le film. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission sur la descendance, l'éducation, et sur cette question qu'on se pose, est-ce qu'on peut tout accepter, est-ce qu'on doit tout accepter de ses enfants? Oh, ce que j'attends de cette émission, c'est ce que j'attends toujours de cette émission, c'est-à-dire que d'abord, elle me passionne et qu'on parle de choses extrêmement difficiles à aborder, comme ça, d'une manière collective et très vivante. Et je pense que, bon, ce sujet... Vous savez, on me demande tout le temps, on me dit tout le temps, surtout depuis La Bûche, mais vous parlez tout le temps de la famille. Mais je dis, mais tout le temps, tout le monde parle tout le temps de la famille. C'est le noyau de tout. C'est là que ça se passe et c'est là aussi que se reflètent, je pense, nos problèmes personnels par rapport à la vie, à la politique, à toutes nos attitudes dans la vie. Et par rapport au monde entier, elles se reflètent déjà évidemment dans la famille. Donc c'est un sujet passionnant et je pense que l'émission va l'être. Ok, j'espère. Je présente maintenant les invités à qui nous avons consacré un reportage. Et d'abord, non pas Violette, mais Maryse. Bonsoir Maryse, bienvenue. Bonsoir. Avec sa fille Ludivine. Une fois n'est pas coutume, la fille est beaucoup plus sage que la maman. Vos modes de vie sont vraiment très opposés, radicalement opposés, comme en témoigne cet extrait de reportage que nous verrons tout à l'heure dans son intégralité. Ça... Peut-être que ses enfants, je me dis, me ressembleront. Peut-être qu'elle aura une fille qui ressemblera à sa grand-mère. Peut-être. Quel malheur pour elle. Non, ce serait pas un malheur. Hein. Non, mais... Je me dirais que quand même, j'ai une faille dans l'éducation. Ça saute une génération. À moi, si on ne nous connaît pas... C'est vrai, si vous la connaissiez pas, qu'elle rentrait dans le salon, vous penseriez que c'est ma fille? Absolument pas. Physiquement? Absolument pas. Voilà. Il est France, monsieur. C'est mignon que vous teniez la main comme ça,
Tout à fait charmant. Je ne pensais pas, en vous regardant comme ça, en vous découvrant à travers le reportage que j'ai vu il y a quelques jours. Votre fille va se marier dans quelques mois. Vous êtes contente? Pour elle, oui. Pas pour vous? Mais moi, ça... Pour moi, peut-être un peu moins. Pourquoi? Je trouve qu'elle est un peu jeune. Vous avez quel âge, Divine? 21. 21. Vous préférez qu'elle fasse quoi plutôt que de se marier? Ben, qu'elle profite un petit peu. Parce que se marier, c'est pas profiter. C'est pas pareil. C'est-à-dire? Se marier, c'est s'engager, c'est tenir une promesse. Donc, c'est déjà une petite vie tranquille. Quand je profite, elle me dit travail. Ah bon? Voilà. Je vous demande d'accueillir maintenant Jean et Jean-Baptiste. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ce qu'on voit, c'est que Jean-Baptiste est prêtre. Ce qu'on ne voit pas, c'est que Jean est profondément athée, un ancien militaire, et que la vocation de son fils lui a causé une blessure dont il se remet à peine, petit à petit. Ça vient. D'accord. Voici un extrait du reportage que nous avons tourné dans l'abbaye où vous officiez, puisque vous êtes prêtre, mais également moine. À 19 ans, Jean-Baptiste découvre sa vocation religieuse. Il s'engage dans la voie monastique alors que son père s'y oppose. Il n'y avait aucun moyen de communication sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, voilà. On arrivait à parler de la pluie et du beau temps quand même. Il n'y avait aucun dialogue possible dès que... Enfin, c'était pas possible, quoi. J'aurais mis le holà. Moi, je mettais les pieds dans le plat, à table, n'importe quand, entre la poire et le fromage. J'en lançais un pic. Et puis, je voyais sa tête où il rougissait, où il y avait les traits qui se tendaient. Bon, oui, t'es pas branché, bon Dieu, mais tu sais, il vaut le coup d'être connu quand même. Hein. Oui, non, non. Ça ne débouchait pas, hein. C'était pas possible. C'était pas possible. J'insistais pas. Maintenant, vous parlez plus librement. Vous en parlez plus librement ensemble maintenant. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, nous en parlons plus librement. Je voudrais faire un petit rectificatif qui n'a pas une grande importance. Sur le militaire? Oui, ouais. Je n'étais pas militaire, j'étais fonctionnaire civil au ministère de la Défense. D'accord. Enfin, vous étiez content quand même que votre fils ait fait son service militaire pour... Tout à fait, oui. C'est assez attaché à l'armée, aux valeurs qu'elle véhicule. Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Donc vous devrez être content, l'enfant que vous avez élevé est en uniforme, dans une structure très bien organisée, avec des horaires très disciplinés. Non, mais disons que j'ai été effectivement content qu'il fasse son service national, comme tout le monde. Oui. Pour le reste, ça a été plus dur à accepter. Pour le reste, ça a été beaucoup plus dur. Ouais, ouais. Ça vous fait rigoler encore aujourd'hui? Oui. On aura le temps de développer tout à l'heure, oui, vous moins, d'accord. Bonsoir madame, bienvenue parmi nous. Arlette Rouzeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça ne va pas être facile de parler de ce dont vous avez accepté de parler ce soir. L'un de vos fils est un délinquant, plusieurs fois condamné, alors parfois pour quelques petits larcins, parfois pour des choses beaucoup plus graves, plusieurs années de prison pour des braquages. Vous nous parlerez de vos sentiments de maman par rapport à ce fils qui n'est pas toujours celui dont vous aviez rêvé au tout départ quand vous l'avez mis en marche avec votre mari. Avant de voir le reportage, je voudrais vous demander à partir de quel moment, à partir de quel âge, vous avez vraiment craint que votre fils vous cause des soucis en grandissant? Je voudrais apporter une petite rectification, si vous le permettez. Il n'a pas fait plusieurs braquages, il n'en a fait qu'un seul, mais c'est déjà largement suffisant. À partir de quel âge vous avez commencé à vous inquiéter pour votre fils? Réellement, je me suis inquiétée pour lui à partir de la sixième, quand il est entré dans un lycée. Et là, il n'a pratiquement pas travaillé. J'étais très souvent convoquée par le proviseur. Il s'amusait à la récréation à des jeux d'argent, ce qui est formellement interdit, donc à 11 ans. Et puis là, il a commencé à fumer des joints. Mais malheureusement, je n'ai pas voulu m'en rendre compte. Ni mon mari ni moi, on pensait que ça ne pouvait pas arriver. Jusqu'à présent, des petits joints, des mauvais résultats à l'école, des petits jeux d'argent dans la cour de récréation, ce n'est pas encore très très grave. Quand est-ce que vous avez été sérieusement alertée? Sérieusement alertée quand il a commencé... Bon, ses études, évidemment, ont été interrompues, puisque les notes étaient déplorables, il ne travaillait pas, il y avait un manque de discipline. J'étais un enfant hyperactif. Au sens médical du terme? Oui, il avait été suivi pendant quelques années par un pédopsychiatre. Ma foi, il semble que les choses
n'ai pas eu de résultats, mais ce n'est peut-être pas la faute du pédopsychiatre. Pour autant. Alors, je vais essayer de résumer la situation, madame. Vous aurez le temps de repréciser, mais si vous voulez rectifier, je parle sous votre contrôle. Votre fils était quand même stabilisé depuis 3 ans, et puis en décembre dernier, soudain, lors d'une crise de démence, il vous a menacé. Il a menacé votre mari, son père, sa femme, sa sœur, sa nièce. Depuis, il est en prison, à nouveau incarcéré, en préventive. Et il faut dire que ce soir-là, vous avez eu peur. Que c'est vous qui avez appelé la police. Oui, tout à fait. Alors, malgré votre actuel désarroi, vous avez bien voulu nous recevoir avec votre mari chez vous pour nous parler donc de cet épisode, des précédents et de votre vie de parent. C'est un reportage de Cyril Chamalet et de Ève Langlard pour démarrer cette émission de Ça se discute. Le matin, mon fils m'a demandé de le mener pour acheter une bague pour sa femme. Il était très énervé parce qu'il avait des refus sur le travail qu'on était allé voir ensemble. Et le soir, il a pété les plombs, il est devenu comme fou et on ne sait comment. C'est-à-dire, ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait tuer sa femme. Sa femme est venue se réfugier à la maison. Il est venu ici, on lui a dit qu'elle n'y était pas. Il a cru la trouver, il est allé chez sa sœur. De là, il est monté ici. Moi, j'avais tout barricadé parce que ma fille m'a dit au téléphone, il monte. Et il a essayé d'ouvrir, il n'a pas pu ouvrir. Il est monté sur le balcon, il a cassé la baie vitrée avec la tête. C'était la première fois qu'il faisait ça? Ah là, c'est vraiment la première. Enfin, des crises, il en a eu, mais comme ça, c'était un enfant qui était devenu fou et qui faisait peur. Et heureusement que je n'ai pas répliqué ni rien, parce que dès qu'il est rentré, je me suis trouvé à 4 mètres plus loin. Je me suis relevé, j'ai mis les mains aux poches, il m'a dit, tu as peur, hein? J'ai dit, non, tu t'es vu. Regarde-toi, tu t'es vu, tu as vu ce que tu es. Et je crois que de lui répéter ça, je l'ai décontenancé, on est descendu, et il est reparti. Et entre-temps, ma femme avait appelé la police, et la police l'a arrêté, et la suite, maintenant, il est incarcéré, il est à soigner. Ça, c'est le journal qui relate le jugement de notre fils quand il a braqué des campeurs et dont il a blessé le propriétaire, le vacancier. Mon fils avait l'autre, ils ont décidé de faire ça. Un est parti avec le fusil de chasse. Et mon fils avait la 22 long rifle, pas d'ici, parce que je n'en ai pas, de son copain qui était scié, ils y sont allés. Mais quand l'autre s'est présenté avec le fusil de chasse devant le campeur, le monsieur lui a pris le fusil, il l'a traité de rigolo et ça commençait à aller mal. Quand mon fils a vu qu'il était perdu, il a tiré, mais il lui a mis une balle dans le poumon. Vous avez appris l'histoire par la presse, monsieur, c'est ça? On l'a appris le soir même avec la télévision, on regardait la télévision. Et puis sur la presse, sur la télévision, le journal des PO, et qui avait eu un braquage juste à Tesa, c'est-à-dire c'est à 3 km de chez nous, et qu'il y avait eu un blessé par balle, et qu'il ne voyait pas qui c'était, que l'enquête était en cours. Et mon fils qui regardait là, il dit des choses comme ça. Je ne l'admets pas, on ne peut pas laisser les vacanciers tranquilles, il faudrait les descendre, des types qui font ça. 2 jours après, ils sont venus l'arrêter, c'était lui. C'est vrai que nous l'avons très mal vécu. D'ailleurs, à tel point que le jour de son procès, nous n'y sommes pas allés, ce qui lui fait dire que sa mère se moque de lui. Si c'est-à-dire c'est un enfant qui manquait de quelque chose, ils avaient ce qu'ils voulaient. C'est vrai qu'avec son père, et ça aussi, il faut quand même en parler. Tu n'étais pas très gentil avec, au moins, les garçons. C'est-à-dire pas gentil, madame? Ben, sévère. Sévère, bon, puis j'étais sévère, je ne comprenais pas les réactions qu'il avait, pour l'âge qu'il avait. Je ne comprenais pas ses réactions, quand aussi bien son frère que sa sœur allaient, mais lui, il avait des réactions de révolte tout le temps. Il était déjà, à cet âge-là, déjà après la communion, il était déjà anti-société. Il voulait déjà son indépendance. Il ne cherchait que ça, son indépendance, et c'était tout. Vous êtes déjà arrivé, monsieur, d'être violent avec vos enfants ?
Ah non, au contraire. Comme avec les enfants, tu n'as pas été violent. Ah, les pas, tu passais pas tes petits. Violent, c'est pas être violent, corriger les enfants, donner une fessée aux enfants. Bon, maintenant, il faut reconnaître qu'à l'époque où on est, si on donne une fessée aux enfants, il n'y a qu'à voir un instituteur, il a qu'à donner une petite calotte, il sera attaqué à justice. Je pense que la violence ne peut engendrer que la violence. Et bon, peut-être ceci explique cela. C'est-à-dire son comportement depuis qu'il existe jusqu'à maintenant. Il y a des fois, je me culpabilise, je dis, c'est de ta faute, t'as trop été méchant, mais si j'ai été méchant avec un, j'ai été méchant avec les autres. Et ils ont été élevés tous les trois dans le même foyer, avec le même père et la même mère. Ça a été la même chose pour tous les trois. Depuis l'incarcération de son fils, Arlette rend souvent visite à sa belle-fille et à ses petits-enfants. Eliane est mariée depuis 2 ans. Au début, toute la famille a cru que ce mariage emmènerait le fils vers une nouvelle vie. Mais les choses ne se sont pas aussi bien passées que prévu. Il était violent avec vous ? Oui. Oui. Surtout selon quand il avait bu. Je suis navrée de son comportement, je suis atterrée. Dans le cas où elle envisagerait une séparation, je tiens quand même à ce que je vois mes petits-enfants régulièrement. Et s'il se sépare de sa femme, ça sera encore un échec? Ben oui, un échec de plus. On ne peut pas s'empêcher de penser que quelque part par là, on l'a loupé. Je ne veux plus à la maison. Je ne veux pas à la maison. Non. Je ne pourrais pas le supporter avec ce qu'il a fait et les menaces qu'il a fait à son père. Failli étrangler sa sœur. Des menaces sur sa petite... sur sa nièce qu'a 10 ans. Des menaces. Le recevoir ici, partager les repas, les... je ne sais pas. Parce que nous avons eu très, très peur. Très peur. C'est mon fils, je suis sa mère. C'est sûr que je ne peux pas le rejeter. Je ne peux pas... Mais je peux quand même lui en vouloir. Vous voulez ajouter quelque chose, Arlette ? Ça va ? Dans quelles circonstances ça s'est passé, cette crise de démence ? Qui vous a surpris, hein, parce que c'était pas arrivé depuis longtemps. Oui. Je ne m'y attendais pas, oui, personne ne s'y attendait. Mais je peux l'expliquer par le fait qu'il il avait des propositions. Enfin, là, il était inscrit à la NPE, donc puisqu'il n'avait pas de travail. Et il s'y présentait, il avait son CV parce que c'est un boulanger-pâtissier. En dehors de son caractère asocial et indépendant, c'est un excellent boulanger-pâtissier. Il n'a pas que des défauts, il a aussi de grandes qualités. Et alors ses propositions professionnelles, ça n'a débouché sur rien. Ouais. Et même il avait accepté de faire des essais. Et le dernier essai qu'il avait fait, il avait passé 11 heures dans un fournil à travailler avec un boulanger. À la boulangerie. La personne qu'il avait reçue avait apparemment l'air convaincue de ses compétences. Et donc il a été, déçu. Oui, elle l'a appelé 3 jours après en disant que sa candidature n'était pas retenue. D'accord. Sans aucune explication. Mais... il est tout à fait clair. Donc au moment où il voulait se raccrocher au monde du travail, il a été trop déçu plusieurs fois de suite. Et c'est ce qui explique cette accumulation, cette crise de démence qui a eu lieu dans quelles circonstances? Vous étiez en famille quand il a pété les plombs? Non, c'était nous préparions chacun chez nous les fêtes de Noël. Lui-même avait préparé les cadeaux pour toute la famille.
Et ce jour-là, donc, il était allé acheter une bague à son épouse qu'il voulait lui offrir. C'est vrai que depuis 3 semaines, je le trouvais extrêmement nerveux. Il était sous traitement médical non, ou pas ? Non. Et le matin même de cet achat, je l'avais trouvé assez agressif et très, très mal dans sa peau. Jusqu'à présent, ça fait quoi ? Ça fait un peu plus d'un mois, vous n'avez pas été le voir encore en prison. Est-ce que ça veut dire qu'il y a cette fois-ci rupture définitive ? Parce que vous l'avez rendu visite des dizaines et des dizaines de fois dans d'autres prisons avant. Oui, est-ce qu'il y a rupture définitive, vous pensez maintenant ? Je ne pense pas qu'il y ait une rupture définitive, mais j'ai besoin de prendre du recul et surtout essayer de comprendre et essayer... Si j'étais sûre qu'on puisse le traiter correctement et surtout si il consentait à se soigner une fois donc élargi de son centre, il n'y a aucune raison pour que il recolle pas les morceaux, quoi. Qu'on recolle les morceaux, oui, comme vous dites. Ok. Alors, on demandera tout à l'heure à Claude Almos dans quelle mesure le comportement des parents peut expliquer en partie l'attitude des enfants quand ils deviennent adultes. On verra ça avec Claude dans un instant. Mais d'abord, on va donner la parole à Sylvie, qui a choisi de témoigner anonymement. Elle se trouve actuellement dans une loge de notre studio. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Votre fils purge actuellement une peine très longue de prison, de 16 ans de prison. Quand et comment vous avez appris que votre fils a été mêlé à cette histoire de cambriolage qui a mal tourné ? Ben, je l'ai appris lorsqu'il est venu lui-même nous en avertir. Il avait participé à ce cambriolage pratiquement un an plus tôt. Et un jour, rongé en partie par le remords et également par les menaces que lui faisaient subir ses comparses, il a décidé de se constituer prisonnier et est venu, avant toute chose, nous avertir de ce qui s'était passé. Je peux vous dire en toute franchise que nous n'étions absolument pas au courant et que nous nous doutions absolument pas de ce qui s'était passé. Quel âge avait-il ? Il avait à l'époque 23 ans. Comment vous l'a-t-il dit ? Eh bien, il habitait la région parisienne. Il m'a téléphoné un matin de très bonne heure en me demandant de venir le chercher à l'aéroport, de venir toute seule si possible. Il ne voulait pas voir son père d'abord, pour pouvoir m'expliquer ce qui se passait. Et assez naïvement, il vivait avec une jeune fille et moi j'ai pensé, mais alors je vous assure, avec beaucoup de naïveté, qu'il venait simplement m'annoncer qu'ils attendaient un enfant et qu'ils ne savaient pas comment s'en sortir. Mais alors je ne me doutais absolument pas de ce qui allait nous arriver. Qu'est-ce qui s'est passé dans les fêtes ? Eh bien, il a participé à un cambriolage qui a très mal tourné. Un homme est mort. Le coupable ne s'est pas dénoncé. Et donc, les trois ont été jugés coupables. Et c'est pour cela qu'il a eu une si lourde peine. Dans quelles circonstances un homme a été tué ? Déjà, le cambriolage par lui-même, c'était quelque chose de moche. Ils sont allés cambrioler un vieux retraité. Hein, comment mon fils s'est-il laissé entraîner déjà dans cette histoire ? Je ne l'ai jamais compris. Parce que, sincèrement, contrairement à la dame qui vient de parler avant moi, mon fils a toujours été un enfant, tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus... uniforme, hein, une scolarité normale. Sans histoire, quoi. Sans histoire. Il vous a dit tout de suite qu'il voulait se constituer prisonnier, qu'il avait quoi ? Il avait des remords ? C'est lui qui avait envie d'aller parler à la police ? Oui. Disons qu'il voulait sortir ce poids de dessus son cœur. Hein. Disons que pendant ce cambriolage, qui a été quand même quelque chose d'assez vilain, d'assez moche, mon fils était chargé de maintenir la personne âgée sur son lit pendant qu'on le ligotait. Et lorsque il a appris que la personne était morte, celui qui les avait entraînés lui a inculqué l'idée que c'était lui le responsable de la mort. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'était lui qui tenait la personne âgée.
Il a pensé que peut-être effectivement, quand il l'avait, il le maintenait avec les bras croisés sur sa poitrine. Il a dit, j'ai peut-être un peu trop appuyé. Peut-être que ce monsieur est mort d'une crise cardiaque. Ah oui, d'accord. En nous disant... Quelle était votre première réaction, madame? Ah, oh, mon Dieu, monsieur. D'abord, le ciel m'est tombé sur la tête. Difficile de se dire que votre enfant, hein, celui que vous avez aimé, que vous aimez d'ailleurs toujours, parce que malgré tout, il est devant vous, il vient et il vous dit « Maman, j'ai tué un homme ». Mais c'est pas possible, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu... Bon, il nous expliquait comment cela s'était passé. Il y avait quand même un an que cela s'était passé. Hein. Déjà, là, j'ai mal réagi. J'ai mal réagi, je lui ai demandé comment il avait pu vivre avec ce poids sur la poitrine pendant autant de temps. Bon, nous sommes rentrés à la maison et puis il a dit la même chose à son père. Il s'est jeté dans ses bras en disant « Papa, tu vas me maudire, j'ai tué un homme. » Mon mari a été également aussi effondré que moi, hein, vous devez vous en douter. On a été hébétés, on a vécu cette journée sans savoir comment nous l'avons vécu d'ailleurs. Et nous avons pris conscience de ce qu'il fallait faire que le lendemain. Et nous avons vu un avocat. Et cet avocat nous a dit, attendez, plutôt que de vous rendre au service de police, nous allons essayer de contacter le juge d'instruction qui est chargé de l'affaire et nous allons le présenter au juge d'instruction. Ce qui lui avait évité la garde à vue et qui est, je crois, une partie difficile dans ce genre de démarche. Enfin bon, il est en prison depuis maintenant, ça fait combien de temps, madame? Eh bien, au mois de février, cela fera 4 ans. Et il a été jugé au mois d'octobre seulement. Mais s'il n'avait pas voulu se livrer, lui, est-ce que vous l'auriez livré à la police ou est-ce que vous auriez essayé de le protéger? Je ne sais pas si je l'aurais livré. Mais lorsque mon fils m'a dit « Maman, j'ai tué un homme », je lui ai dit « Mon fils, tu as fait quelque chose qui, à mes yeux, est plus répréhensible que n'importe quoi. Donc, tu dois assumer. » Il m'a dit « Mais j'étais venue dans cette intention. » Vous avez eu votre fils plusieurs jours après. J'imagine qu'il était déjà en prison. Nous l'avons déjà accompagné nous-mêmes, hein, au juge d'instruction. Mais une fois qu'il avait fait ses aveux, une fois qu'il était en prison et que toute la procédure judiciaire était lancée, et que vous avez eu ce premier contact au parloir, est-ce que vous avez pu vous regarder dans les yeux? Oui, absolument. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque nous avons vu mon fils pour la première fois au parloir, nous avons vu notre fils. C'est-à-dire que celui que nous connaissions. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec son même sourire, qu'il est arrivé avec sa même spontanéité. Ces quelques jours qu'il venait de passer en prison n'avaient rien changé en lui. Ce n'était pas un délinquant, ce n'était pas un vrai coupable. Même s'il y a eu des moments où j'ai haï mon fils pour ce qu'il a fait, surtout pour la façon vilaine dont l'affaire s'est passée, hein. Ils ont quand même agressé une personne âgée. Pour moi, c'est quelque chose d'atroce. Hein. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais tant pis, j'aurais préféré qu'il braque une banque. Ça aurait été un geste courageux. Mais là, c'était un geste lâche. Quels sont vos sentiments maintenant, aujourd'hui, quelques années plus tard, pour votre fils? Mes sentiments sont les sentiments d'une mère pour son fils. Mon fils a fait un faux pas. Personne n'est à l'abri d'un faux pas. Et 16 ans il le paye là. Très, très cher. Ouais. Arlette, vous avez quel sentiment pour votre fils? Je ne vous ai pas posé la question. Je l'aime toujours tout autant. Il n'y a aucune raison que je le rejette. De toute façon, si je le rejetais, qui s'en occuperait? C'est ce que vous dites aussi, madame? Moi? Ouais. Moi, je n'ai jamais pensé posé. Autrement. Ouais. Je vous ai dit que nous l'avions accompagné au juge d'instruction. Nous sommes restés dans le couloir pendant 4 heures, hein, en attendant que le juge le reçoive. Hein. Il faut quand même que je vous dise une chose. Lorsqu'il a vu le juge d'instruction, au regard de l'enquête, il a su qu'il n'était pas responsable de la mort de cet homme. Cet homme avait été étranglé. Donc, lui n'était pas responsable de la mort. Et lui, si vous voulez, se trouvait soulagé. Soulagé du fait
Il avait commis un acte qui était absolument répréhensible. Il en était tout à fait conscient. Mais il n'avait pas une mort sur la conscience. Et pour lui, il était allégé d'un poids qui était immense. Et je pense que la démarche qu'il a faite d'aller se livrer à la justice et de savoir qu'il n'était pas responsable de la mort de cet homme a déjà fait beaucoup pour le devenir de mon fils. Merci madame. Madame Darmon, je pose la même question. Est-ce que vous avez des sentiments pour votre fils qui sont les mêmes que ceux que vous aviez pour lui quand il était enfant, par exemple ? Plus, toujours. Peut-être. Plus encore, c'est-à-dire ? Plus. Ouais. Mais je ne sais pas, peut-être qu'on ne lui avait pas montré assez d'amour avant, peut-être, et qu'il sombre dans la drogue comme il a sombré dans la drogue. J'ai été obligée de lui montrer, oui, que je l'aimais, et j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Beaucoup. Moi, j'ai souffert de voir mon fils se détruire. En fait, c'est ça, du petit garçon jovial qu'il était, rondelet même, à 16 ans. Il a commencé dans ces eaux-là, 16 ans, prendre de la poudre. Il s'est dégradé en peu de mois, en fait. Et bon, quand je l'ai su, moi, je ne m'en étais pas perçue, bêtement. Et quand je l'ai su, c'est vrai, là, je l'ai regardé beaucoup plus qu'avant. Et je l'ai vu se dégrader pendant les 6 ans, hein, facile, 6-7 ans où ça a duré. Et alors, les sentiments, je sais pas, je peux même pas les exprimer parce que, sincèrement, Jean-Luc, j'aurais préféré que mon fils aille en prison. J'aurais préféré qu'il ait fait 10 ans de prison. Oui, ça vous parce qu'il reste quoi, en bonne santé. Absolument. Je suis tout à fait de son avis. Parce que mon fils, un jour, on le retrouvera. Il sera certainement marqué par la vie. Hein. On ne retrouvera pas le bon petit garçon que nous avions, généreux, spontané. La vie carcérale n'est pas quelque chose de qui adoucit le caractère. Puis il sortira, mais nous le il aura presque 40 ans. Quoi. Il sortira, il aura presque 40 ans de prison. Je ne pense pas qu'il fera autant d'années. Ouais, c'est ça. Il a actuellement, il n'a pas encore 30 ans. Hein, il ne fera pas autant d'années, non. Il aura, comme il nous a souvent dit, lorsque je sortirai d'ici, je ne serai pas encore un vieux crouton et j'aurai largement la possibilité de faire quelque chose de ma vie. Et d'ailleurs, chaque fois que nous le voyons, son leitmotiv, c'est ça. Je vais continuer des études, je vais me former, je vais faire quelque chose pour que plus tard, comme vous avez été fier de moi avant, vous soyez fier de moi après. C'est un garçon courageux, mais enfin, je ne voudrais pas qu'on condamne votre fils pour autant, qui est avec nous dans cette assemblée ce soir et qui essaie de s'en sortir. Ça fait 2 ans qu'il a arrêté de prendre de l'héroïne. Elle reste ? Elle reste. Il n'y a pas que de l'héroïne, il y a tout. C'est-à-dire tout ce qui l'accompagne ? Cocaïne, crack, la totale. La totale. Vous l'avez mis en face de ses responsabilités, madame en prenant du temps, d'abord en essayant de défendre, en vous mettant parfois dans des grosses colères, mais comment vous avez essayé d'arbitrer d'abord les situations quand ils se retrouvaient, vis-à-vis des reproches que vous pouviez entendre ou des commentaires de la part de vos amis ou de vos relations de travail? Mais ce n'était pas des reproches, en fait, c'était que les gens étaient atterrés, parce qu'on m'avait toujours vu avec mes enfants, j'ai 3 fils, puis une petite fille maintenant, grâce à lui. Et on avait une vie vachement harmonieuse, hein, c'était cool chez moi, sympa. Puis après, quand tous les gens ont vu dans quel état il était, parce qu'après, on ne pouvait plus le cacher, c'était tellement évident, tellement visible que, au début, mes sentiments, moi, c'était la honte. Puis après, on s'éloigne des gens parce que faire un repas avec quelqu'un qui a le nez qui tombe dans l'assiette tout le temps, c'est pas drôle pour les gens, c'est pas drôle pour vous, c'est pas drôle pour lui. Enfin, lui, je ne sais pas si ça en est vraiment compte, d'ailleurs. Mais puis pour mes autres enfants aussi, c'était pas très supportable. Vous êtes senti obligé de vous remettre en cause, vous, c'est-à-dire de changer de comportement pour qu'il vous écoute, pour qu'il se reprenne en main, essayer peut-être même de revoir complètement le système éducatif. Oui, bien sûr. Que vous pensez, oui. Bien sûr. De quelle manière? Comme je dis avant, tous ensemble, parce que j'ai toujours vécu seule avec mes enfants, pratiquement, pendant au moins 15 ans. Hein. Et j'avais mis un système de vie chez moi qui était cool. Bon, j'ai des côtés laxistes, c'est vrai.
Bon, quand ils étaient petits, j'ai été assez sévère avec eux, mais vers 17-18 ans, il faut dire que j'ai deux grands-fils qui ont pratiquement le même âge, enfin John et son frère, et c'était des garçons qui ne sortaient pas, qui étaient toujours là, dans mon entourage, avec moi, avec mes copains, mes copines. Ben, ils étaient contents toujours d'être là. Moi, je leur disais, je ne comprends pas, sortez, allez en boîte, qu'est-ce que vous faites derrière nous tout le temps? Ben non, mais c'est, l'ambiance était sympa, donc ils étaient toujours là. Et puis peut-être, moi, je me suis dit, entre mon travail, puis mes amis, tout ça, où je suis toujours très affairée, toujours à droite et à gauche, peut-être je n'ai pas vu ce qui se passait chez moi. Et oui, effectivement, je n'ai pas vu. Et puis il y avait déjà deux toxicos chez moi. Deux? Oui, c'est-à-dire? Deux toxicos. Mon frère, mon jeune frère, qui a 38 ans aujourd'hui, et mon neveu, qui a 31 ans, drogué tous les deux à l'héroïne, qui venait chez moi, pas régulièrement, mais c'était mon frère. C'était mon neveu, je les aime, c'est ma famille, c'est des proches à moi. Et j'aurais jamais dû laisser mon fils les approcher, c'est clair. C'était des tellement mauvais exemples, ces deux-là, que quand ils venaient à la maison, avec mes fils, on parlait beaucoup. J'ai dit, t'as vu dans quel état il est, ton oncle? Ah, il est joli, hein. Ah ben oui, ça jamais, nous on fera ça, hein, jamais, hein, oui, jamais. Et puis j'en ai un qui l'a fait. Est-ce que vous avez pensé à un moment donner, mettre un rempart entre lui et vous, comme Arlette qui, par exemple, prend du recul en ce moment, même si ce n'est pas définitif, madame, vous l'avez clairement dit, jamais vous avez eu ce sentiment de non, vous non. dire je coupe les ponts, qu'il se débrouille tout seul? Ah, mais non, parce que le laisser livrer à lui-même, c'était un jour, on me téléphone et mon fils est mort d'une overdose dans un caniveau. Ah non, 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 moi j'ai été le chercher partout hein, où je savais qu'il pouvait traîner. Je le courais après tout. Mais quand vous lui avez tendu un piège, vous aviez, je crois, une connaissance à la brigade des stupéfiants que vous avez contacté, ouais. Vous avez monté avec eux ce qu'on appelle une souricière, donc un piège à souris. Ouais, j'ai fait. C'était pour lui, pour le protéger, c'était pour qu'il aille en prison, c'était pour l'avertir, pas, lui montrer que c'était grave ce qu'il faisait, c'était pour le punir. Eh bien, alors non, rien de tout ça. Moi, mon fils, je voulais qu'il se soigne. Et plus il continuait à se défoncer, hein, c'est le mot, moins j'arrivais à lui faire entendre raison. John, il faut te soigner, il faut faire quelque chose. Donc, plus ça a été, plus j'ai dit, il faut que je le fasse rentrer dans ce système de soins. Vous êtes senti obligé de passer par la police pour, non, pour le coin? Non, parce que... Pourquoi vous l'avez fait alors? Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce que je l'ai emmené un mois en vacances, on est parti un mois en Floride avec son petit frère. Et là-bas, j'ai voulu lui montrer... déjà, il ne se droguait pas pendant un mois. Et j'ai voulu faire un voyage de... qu'on se remette à niveau, quoi, tous. Parce que même moi, je sombrais pas mal dans... Je pense qu'on est dérouté, on est tellement dérouté qu'on a du mal à avoir le cerveau en face. Donc on est parti faire un voyage de... pour se remettre à niveau, en fait, lui pour la drogue et moi pour voir plus clair. Et quand on était sur la route de Key West, par exemple, il m'a dit, maman, plus jamais je me défoncerai parce qu'aujourd'hui, je vois tout ça, c'est beau, avant, je ne l'aurais jamais vu. Tu sais, maman, je me rends compte, j'étais une épave, plus jamais je me défoncerai. Et moi, j'y ai cru, forcément. Et je lui ai dit, tu sais, John, là, j'ai récupéré, j'ai pris des forces. Quand on va revenir, hein, le travail, tout ça, on va avoir la belle vie, on va recommencer comme avant. Il m'a dit, oui, t'inquiète pas. Septembre, il se fait piquer par des flics dans le métro, un gramme d'héro sur lui. Il me l'a caché, je ne l'ai pas su. Bon, son frère est venu me le cafeter. Et puis, j'ai vu qu'à nouveau, il recommence à avoir le même visage, la même tête de défoncé. Donc là, j'ai commencé à le menacer. Je lui ai dit, tu sais, John, tu m'avais promis, ça fait 4 ans que ça dure, tu m'avais promis, tu n'as pas tenu tes promesses et moi, j'en ai marre. Et comme j'avais envie de mourir, je lui ai dit, alors, tu sais, un jour, je vais faire un sale truc et je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais tuer les mecs qui te vendent, je vais nous tuer tous les deux. Enfin bon, je vais faire un sale coup. Donc, je suis rentrée en contact avec ces flics des stupes. Et puis, je les ai aidés à attraper mon fils avec des dealers. Alors forcément, il n'a pas été content. Qu'est-ce qu'il vous a dit? John? On s'est disputé à la police, forcément. J'ai fait arrêter des dealers, donc méchamment, forcément, je venais de faire enfermer sa source de plaisir. Alors il n'était pas content, hein. C'est comme si on lui avait enlevé son paquet de bonbons. Donc, il m'a dit, ouais, quand ils vont sortir avant de tuer, j'ai dit, ça tombe bien, j'ai envie de mourir. Alors, comme ça, c'est parfait, ça m'arrange. Il est avec nous, John, il peut peut-être en dire un mot. Je ne sais pas, John, vous avez envie d'en parler. Vous vous souvenez de cet épisode? J'imagine que c'est,
que c'est inoubliable. Je précise que ça fait 2 ans que vous vous droguez plus. Un an et demi. Un an et demi, vous avez décidé, vous avez choisi plutôt de partir de Paris. C'est quoi, c'est pour éviter votre maman ou c'est pour éviter vos anciennes fréquentations? Non, c'est plutôt pour éviter d'être à Paris, quoi, parce que même avec la meilleure volonté du monde, d'avoir envie de s'arrêter, quoi, tout simplement, si on est quand même conscient du mal qu'on provoque et du mal surtout qu'on se fait à soi-même, même en voulant arrêter avec la meilleure volonté du monde, bon, à Paris, on s'ennuie. Enfin, dans mon cas, moi, je parle pour moi. Bon, on retourne toujours aux sources, quoi, comme on dit, quoi. Et j'en avais marre de tout ça, donc j'ai préféré, maintenant, je préfère éviter Paris, quoi. Comme ça, au moins, la tentation, je l'évite, quoi. Qu'est-ce que vous comprenez aujourd'hui du comportement de votre maman toutes ces années, et en particulier de ce moment-là où elle vous a dénoncé à la police? C'est pas évident. Bon, je sais pas, déjà, il n'y a pas de mode d'emploi, déjà. Je pense pas qu'il y ait une façon de faire spéciale pour s'en sortir. Bon, maintenant, je pense que dans son cas, voir son fils défoncer tous les jours, mentir, voler, non, j'ai jamais fait. Vous n'avez jamais volé votre maman? Jamais, non. Je me suis toujours assumé dans mes délires, si je puis dire. Je sais pas, quoi. Je préfère aller vivre ailleurs, quoi, carrément, pour m'en sortir, quoi. Vous avez quel recul sur ces 5 années pendant lesquelles vous étiez un toxicomane et pendant lesquelles votre maman était extrêmement inquiète et pour vous et pour elle? Vous n'avez pas assez de recul encore pour... Si, parce que je suis serein de tout ça maintenant, je vais dire. Mais bon, c'est vrai que bon, j'ai un peu détruit un peu ma famille, quoi. Mon petit frère a subi ça pendant des années en me voyant, je veux dire, puisque je vivais au sein du foyer familial, quoi. Donc, je veux dire, tout le monde a un peu vu... ma déchéance, quoi. Donc c'est vrai que c'est horrible. Moi, j'ai un enfant maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Ah bon? Ouais, une petite fille. Bon, j'aimerais pas que ça m'arrive, quoi. Qu'est-ce que cette épreuve a changé en vous, en tant que personne, en tant que femme et en tant que maman, sur vos convictions, notamment ce qui concerne l'éducation? Je sais pas, j'ai pas vu ce qui est arrivé chez moi. C'est ça que je me reproche. C'est là où je culpabilise, que j'ai pas vu et que j'aurais dû voir. C'est vrai, excusez-moi. Moi non plus, j'ai pas vu, en fait, parce que je suis tombé dedans, bon, à 16 ans et demi, 17 ans. Et bon, j'ai pris au début pour m'amuser, pour rigoler, pour délirer. Et puis, en fait, je suis tombé dans le système. Et je pensais toujours, du jour au lendemain, pouvoir arrêter quand je voulais. Et en fait, bon, c'est un piège qui est énorme, quoi, parce qu'après, on peut plus arrêter. Et on est vraiment plus que dépendant. Et puis après, ça devient, comme on dit, sa meilleure femme, quoi, tout simplement. Vous acceptez aujourd'hui, par exemple, l'idée que votre maman vous ait donné la police pour votre bien? Ouais, au début, sur le moment, bon, quand je me suis fait serrer, arme au poing, allongé par terre, les dealers tombaient, bon, c'est pas que je m'inquiétais pour eux, hein, loin de là. Et moi, j'étais là, en plus. Des sources de drogue, non, pareil, il y en a plein. Bon, maintenant, c'était pas à ce niveau-là, c'était la façon de faire que je désapprouvais, parce que, je veux dire, je suis sorti de chez les flics 2 jours après, le 3e jour, boum, j'étais reparti comme en 40, quoi, je veux dire, ça n'avait rien changé. C'est la façon de faire que j'ai désapprouvé, quoi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi. On peut tout essayer aussi, c'est vrai. Bon, elle l'a essayé, elle l'a tenté, je veux dire, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui ça va, tant mieux, quoi. Mais bon, je pense peut-être j'aurais fait pareil, peut-être, avec ma fille. Merci John et Elliot, vous restez avec nous. Je demande à Claude Almos de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, sous les encouragements du public du 102. Bonsoir Claude. Ça va bien? Voilà. Claude est psychanalyste. Je ne sais pas si vous voulez d'abord réagir à ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Je ne sais pas si on peut tirer des constantes sur ce que des parents peuvent donner à leurs enfants ou comment ils peuvent être surpris par leurs enfants. Moi, je n'ai pas envie de tirer des constantes. J'ai envie de dire que, comme tout le monde sûrement ici, ce que j'ai entendu, je trouve ça terrible. Terrible, vraiment. Mais en plus qu'en tant que praticienne comme ça, du terrain, travaillant avec notamment des enfants et des adolescents, ce que ça suscite chez moi, c'est de la révolte et de la colère. Parce que ce que moi, je sais en tant que praticienne, c'est un peu le point de vue du plombier, voyez, c'est que toutes ces choses qui ont explosé à l'âge adulte comme ça, qui font qu'il y a une telle souffrance, il y a des gens en prison, il y a des enfants de ces gens qui vont forcément souffrir de ça, etc. Tout ça, ça a forcément donné des signes avant. Madame le disait d'ailleurs, ça a donné des signes à partir de 11 ans, cet enfant, ce garçon qui jouait dans la cour à des jeux d'argent, etc. Mais ça donne des signes bien avant, dès la maternelle, etc. Et évidemment, ces signes-là, les parents ne les voient pas, parce que c'est comme les problèmes dans la vie, quand on a le nez dessus, on ne les voit pas. Tout autant qu'on est, les problèmes des copains, on les voit plutôt bien, parce que ce n'est pas les siens. Les siens,
C'est comme avec ses enfants, on ne les voit pas. Seulement, ses enfants, ils étaient dans les écoles, ils étaient dans des centres aérés, ils étaient dans des endroits où il y avait des professionnels qui n'étaient pas impliqués pareil avec eux et qui donc auraient pu entendre des signes et auraient pu aider et auraient pu dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il faudrait faire quelque chose. Et si ces mères, aujourd'hui, peuvent témoigner de cette façon-là, et ce n'est pas facile, et mettre des mots de cette façon-là avec autant de sensibilité et d'intelligence, c'est clair qu'elles auraient pu les mettre avant et qu'on aurait évité ce carnage-là. Alors, c'est vrai que ça me met en colère. Est-ce que vous êtes pour ou contre, je sais que c'est une question bête, hein, la culpabilisation des parents quand leur enfant tourne mal sur la formule? C'est pas une question bête, c'est même une question très intelligente et c'est une question très très importante parce que je crois qu'il faut à la fois dire qu'il y a un rôle essentiel des parents dans la construction des enfants, parce qu'il y a une construction des enfants, et c'est quelque chose qu'on oublie parce qu'on nous parle beaucoup d'amour, c'est bien l'amour, c'est important l'amour, mais ça suffit pas pour construire un enfant. Pour d'autres choses. Alors, il y a un rôle essentiel, mais ce rôle essentiel, il n'est pas dû seulement à ce qu'ils font, il est lié à ce qu'ils ont dans la tête. Une partie, ils le savent consciemment, une partie, c'est inconscient, donc ils ne le savent pas. Donc, ils ne peuvent pas être coupables de leur inconscient. On peut être coupable de ce qu'on fait volontairement. Si je jette un truc par terre, je le casse, je suis coupable, c'est clair. Ils sont conscients, mais bon, pas de son inconscient. Voilà, pas de son inconscient. Et c'est là qu'il faudrait de l'aide pour arriver à démêler tout ça et à faire que ça n'explose pas à l'âge adulte de cette façon-là. C'est vous qui avez découvert que votre fils se droguait, par exemple, Eliette, ou est-ce qu'on vous avait alerté dans son entourage? Non, c'est son frère qui me l'a dit. Ouais. Enfin, son frère l'a dit à mon petit ami, qui mon petit ami me l'a dit. Parce que mon fils aîné n'osait pas me le dire. Parce qu'il connaissait mes colères. Ouais, quand vous dites la faute n'est pas nécessairement, enfin la faute autant qu'il y a une faute, puisqu'on parle d'inconscient, là, n'est pas nécessairement du côté des parents, mais parfois du côté de toutes les personnes encadrantes. Il n'y a pas de faute. Dans une famille. Ou de négligence. Oui, mais une négligence, les parents ne la font pas exprès. On peut de l'extérieur repérer une négligence. Non, mais je parlais justement du deuxième rideau, enfin, sur des profs, des parents qui sont un peu éloignés. Voilà, chez les parents, il y a du malheur qui se trimballe sur plusieurs générations, ils transmettent des choses. Bon, c'est comme ça, c'est absolument inévitable. Mais il y a des gens, des professionnels, dans les écoles. Par exemple, il n'y a pas très long, il y a un an à peu près, il y avait l'histoire comme ça d'un jeune homme qui avait fini par tirer sur un autre, qu'il trouvait probablement plus beau que lui, meilleur élève, etc. Et on a appris que ce garçon s'était trimballé pendant une bonne semaine avec un revolver dans son cartable. Bon, un garçon qui se trimballe avec un revolver dans son cartable pendant une semaine, qui donc fait en sorte qu'on le voit, c'est une façon pour lui de dire quelque chose. Or, il n'y a eu personne, apparemment, pour entendre ça et pour se demander pourquoi il avait besoin de se trimballer avec un pistolet dans son cartable. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, pardon, et qu'est-ce qui se passait? Pardon du détail, mais s'il est caché dans son cartable, on ne pouvait pas le voir. Non, il l'avait, autant que je me souvienne de l'histoire. Il l'avait frimé un peu avec, hein, oui, il l'avait montré, enfin, puisqu'on l'avait su, il l'avait montré à des copains. Les copains en avaient plus ou moins parlé. Enfin bon, ça c'était su, ce n'était pas du tout secret. Vous pensez qu'on doit tout accepter de ses enfants, Claude? Je crois que quand ils sont petits, justement, on ne doit pas tout accepter, mais on ne doit pas accepter leurs actes. Personne n'est assimilable à ses actes. Ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on est un mauvais ou un méchant. On a fait une bêtise, on la paye à la société, bon, très bien. Mais quand on est petit, par contre, quand les enfants sont petits, il ne faut absolument pas accepter tout ce qu'ils font. Et c'est probablement toujours de ce côté-là que ça pêche, par le fait que les parents ne comprennent pas que l'éducation, c'est mettre des limites aux enfants. C'est-à-dire que les garçons dont nous avons entendu parler là, ils ne sont pas nés criminels, délinquants, toxicomanes. Personne au monde ne naît délinquant, toxicomane ou criminel. On le devient toujours dans une histoire et on peut même dire que d'une certaine façon, n'importe quel enfant a en lui des choses qui peuvent tout à fait l'amener, si ça ne va pas bien dans son éducation, à devenir un jour délinquant ou toxicomane. Parce qu'il n'y a qu'à regarder une cour de récréation de maternelle, un enfant petit, c'est un morceau de ce que dans notre jargon nous appelons du pulsionnel, c'est-à-dire qu'un enfant petit, il fait ce qu'il a envie, qui lui plaît, qui lui fait plaisir. Donc s'il faut bousculer le copain, le jeter par terre et lui casser la figure pour avoir son jouet, eh bien l'enfant le sait, le fait, sans aucune mauvaise conscience. C'est là qu'il faut le remettre, voilà, qu'il faut les adultes qui vont lui apprendre que la vie, ce n'est pas une jungle et qu'on ne fait pas comme ça, et donc poser un certain nombre d'interdits. Et au travers de ces interdits, l'enfant va apprendre qu'on n'a pas le droit de se faire du mal à soi-même, qu'il faut se protéger, qu'on n'a pas le droit de faire du mal aux autres. Et puis petit à petit, d'interdit en interdit, il va comprendre qu'au fond, dans la vie, eh ben, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout avoir. Donc il va intégrer l'idée de loi. Alors il l'intègre par ces interdits que posent les parents, il l'intègre
intègre par l'exemple que donnent les parents, parce qu'évidemment, si on met des limites à un enfant puis que soi-même on ne les respecte pas, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Et puis, il intègre aussi la notion de loi par la structure familiale. Parce qu'au fond, il faut que l'enfant comprenne que personne au monde ne peut tout faire ou tout avoir. Mais quand on entendait tout à l'heure dans le reportage d'Arlette, vous, madame, en train de parler avec votre mari sur la sévérité de votre mari, justement, à l'égard de ses enfants, et notamment celui qui est aujourd'hui en prison, on avait l'impression que vous lui reprochiez d'avoir été trop sévère un peu. Oui, parce que peut-être justement c'est ça qui fait ma culpabilité. Comme mon mari était sévère, très sévère, j'ai dû quelque part être trop laxiste. Ah, et je n'ai pas vu le moment où il a commencé à déraper. J'avais un travail, j'avais 3 enfants, une maison, bon, enfin bref. De quoi nous occuper et tout, bref, tout ce que... Trop sévère, ça peut avoir le même effet que pas assez sévère ou trop cool, pour reprendre les mots d'Eliette. Mais bien sûr, parce que ce qui est important, c'est que l'enfant comprenne qu'on ne lui met pas une limite parce qu'on est simplement énervé pour son propre énervement ou parce que ça nous fait plaisir de l'engueuler. On lui met une limite parce que, évidemment, il va devoir renoncer à quelque chose, mais ça va lui permettre d'aller plus loin. Donc on lui explique, et il y a de l'amour dans cette limite qu'on lui met. Hein, donc c'est, si on est trop sévère... Ce sont des règles sociales, quoi. Ce sont des règles sociales qu'on lui apprend, et qu'on lui apprend parce qu'on a envie qu'il aille quelque part. Mais ce que dit madame, c'est vraiment important, parce que si son mari était trop sévère, peut-être qu'on l'avait été avec lui, qu'il ne pouvait pas faire autrement, ou qu'il n'arrivait pas à manifester son autorité autrement, si une mère se met au milieu, en fait, elle veut protéger l'enfant, mais en fait, ce qu'elle fait pour l'enfant, c'est de lui donner l'idée que ce que fait son père, c'est trop sévère, donc que la loi, c'est pas bien, que la loi, c'est injuste. Et à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué pour l'enfant de comprendre que quand même, l'interdit qui est posé, c'est un interdit qui est important. Et il y a toute une série de malentendus qui se nouent de cette façon-là. Et en plus, ça lui donne l'impression, parce que la parole de son père, à un moment donné, est contestée, qu'au fond, sa maman est plus forte que son père, ce qui est très embêtant, parce que les mères ont d'emblée une position de puissance formidable pour les enfants. Elles les nourrissent, elles les habillent, elles savent quand ils sont malades et tout. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un... que la mère respecte un peu et l'enfant voit qu'il la respecte, il se dit celle-là c'est la reine du monde. Donc il a l'impression qu'il y a au moins quelqu'un quelque part dans le monde qui peut être le roi du monde ou la reine du monde. Donc évidemment, il a tendance à essayer de faire. Ce que vous me dites te renforce encore davantage ma culpabilité et mes remords. Non, bien sûr que non, madame. Parce que ce que j'ai dit aussi, c'est que tous autant qu'on est, on fait dans la vie, avec nos compagnons, avec nos enfants, etc., en fonction de ce que nous-mêmes on a vécu, et en général on ne sait même pas ce qu'on a vécu. Donc il faut à la fois dire ce que je dis, qui n'est certainement pas simple à entendre, et en même temps savoir que vous n'avez pas décidé ce que vous avez fait. Et d'ailleurs je ne me permettrai pas de dire que c'est ça qui est arrivé à votre fils, parce que je comprends bien la portée du développement de votre pensée. Mais ça n'empêche pas que quelque part, on s'interroge toujours et on se dit, bon, ben, c'est de ta faute, voilà. Ouais. J'ai posé la question à Jean maintenant. Votre fils, à notre connaissance, n'est ni toxico ni criminel. Jean-Baptiste, vous confirmez ? En effet, oui. Est-ce que vous êtes néanmoins senti coupable, Jean, à un moment ou à un autre, de l'éducation que vous lui avez donnée, vous le mécréant au sens que donnait Brassens à ce mot d'avoir élevé un garçon qui est devenu prêtre et moine? Non, je ne me suis pas senti coupable, parce que, comme vous le dites fort justement, Jean-Baptiste n'est ni toxicomane ni délinquant, mais je me suis quand même posé des questions de savoir si l'éducation que je lui avais donnée avait été suffisante ou était bonne pour lui. On se pose toujours des questions quand un enfant s'oriente dans une voie qu'on n'a pas voulu, enfin j'imagine. Mais on se pose toujours des questions. Lesquelles, en l'occurrence? Moi, les arguments que je développais, ce sont les arguments classiques. Je n'aurais pas de petits-enfants de Jean-Baptiste à bercer sur mes genoux. À mon avis, lui également se privait de ce que je crois être une vie d'homme, ce pourquoi on est sur Terre. J'avais mal pour Jean-Baptiste, parce qu'il avait choisi une voie dans laquelle il n'aurait pas d'enfant. Il ne fonderait pas de famille. Il ne m'amènerait pas un soir une belle jeune fille en me disant « Voilà, papa, je vais me marier. » Jean-Baptiste, vous aviez conscience en faisant ce choix que vous ne répondiez pas à l'attente de vos parents et que vous alliez les faire souffrir. Mm-hmm. Et qu'ils allaient peut-être pleurer pour ça, voire vous disputer. Alors j'ai bien eu conscience que je les faisais souffrir et j'ai bien vu qu'il y avait une souffrance.
Et moi-même, j'avais mal pour mon père en l'occurrence, parce que je voyais bien qu'il y avait une incompréhension. Vous appelez mon père et mon fils, tous les deux, c'est... Et il y a un petit problème, je suis devenu père, alors maintenant il m'appelle mon père, je l'appelle mon fils, donc c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Donc il a des enfants finalement, s'il peut vous appeler mon fils. Il en a énormément, oui. C'est trop. Plus que j'aurais pu espérer. Jean, pour continuer à voir votre fils, vous acceptez désormais d'aller à l'abbaye où il habite, où il a prêté serment, on va voir tout ça en détail. C'est là et chez vous, donc à Orléans, que nous avons rencontré pour tourner ce reportage, pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe entre vous aujourd'hui et comment ça s'est passé aussi dans des moments plus délicats. Reportage de Sigrid Clément, Pascal Caron et Pascal Agostini. Ouvre mes lèvres et ma bouche bénira ta louange. Je ne suis pas tombé dans la religion quand j'étais petit comme Obélix. Je n'ai jamais été au catéchisme dans mon enfance. Le milieu familial n'était absolument pas favorable à cela. Non seulement le milieu familial de Jean-Baptiste n'était pas favorable à sa vocation, mais son père Jean y était même opposé. J'ai fait une sorte de blocage quand Baptiste m'a dit qu'il voulait être religieux. J'ai assez mal vécu cette aventure. Cette incompréhension que j'avais, que Jean-Baptiste, un jeune plein de fougue, ne cherche pas à vivre une vie d'homme, à avoir une famille, des enfants... C'est ce côté-là qui était difficile à vivre pour moi. C'est bien Baptiste, ça. Et au lycée, il avait du succès avec les filles? Vous lui demanderez, mais moi je vous dis qu'avec la tête qu'il a, il pouvait pas ne pas avoir de succès avec les filles. Mais pour moi, il n'y a qu'une barrière, il n'y en a qu'une, elle est essentielle. Je n'ai pas la foi. C'est une certaine peur, c'est... Non, c'est pas de la peur. Pourquoi aurais-je peur? Je vais pas, moi, incroyant, me mettre à genoux et dire Dieu, donne-moi la foi. Oui, mais ça, c'est normal. Je m'adresse à quelqu'un en qui je ne crois pas. C'est de l'hypocrisie, c'est de je sais pas quoi. C'est ça qui est important, c'est le pas à faire, parce que moi non plus, j'étais pas croyante. Et un jour, je me suis approchée pour qu'on... Je me suis sentie... Ah ben, t'as senti quelque chose. Ça a été là, le déclic. Pour moi, c'est inimaginable. D'un seul coup, recevoir, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, l'Esprit Saint. Une effusion du Saint-Esprit. Et puis, tout abandonner, la famille, la vie, et puis rentrer en religion. Aujourd'hui, le père de Jean-Baptiste vient régulièrement au monastère. Ensemble, ils arrivent enfin à parler de la vocation, un sujet tabou pendant plus de 10 ans. Il n'y avait aucun moyen de communication sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, voilà. On arrivait à parler de la pluie et du beau temps quand même. Il n'y avait aucun dialogue possible, dès que... Enfin, c'était pas possible, quoi. Hein. J'aurais mis le holà. Moi, je mettais les pieds dans le plat, à table, n'importe quand, entre la poire et le fromage, j'en lançais un pic. Et puis, je voyais sa tête où il rougissait, où il y avait les traits qui se tendaient. Bon, oui, t'es pas branché, bon Dieu, mais tu sais... Il vaut le coup d'être connu quand même. Hein. Oui, non, non. Ça ne débouchait pas. Hein. C'était pas possible. Te demandons de donner du pain à ceux qui n'en ont pas et de venir bénir notre repas et nous bénir nous aussi, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand il vient au monastère, Jean s'intègre à la vie de la communauté. Il participe même aux tâches quotidiennes. Est-ce qu'on aurait pu vous imaginer ici, il y a quelques années? Certainement pas, parce que je me souviens très bien avoir dit à Jean-Baptiste le jour où il m'a annoncé qu'il entrait en communauté, que je ne mettrais jamais les pieds dans sa communauté. Vous aviez imaginé quoi pour Jean-Baptiste? Tout, mais pas ça. N'importe quoi, mais pas ça, si je puis dire. À savoir qu'on s'imagine toujours un peu la vie des enfants selon plutôt nos désirs. Et malheureusement, un jour ou l'autre, les enfants expriment eux leurs souhaits et leurs désirs et ça colle pas toujours avec
les désirs des parents. Et c'était notamment le cas avec Jean-Baptiste. L'histoire de Jean-Baptiste. Vous avez toujours été athée ou est-ce que vous avez transmis une éducation religieuse à celui que vous appelez dorénavant mon père ? Comme beaucoup de personnes de mon époque, ma femme et moi, nous avons été baptisés tout jeunes, c'est-à-dire sans connaissance du fait. Jean-Baptiste a également été baptisé à sa naissance, mais... Par le désir de ses grands-parents ? Par le désir de ses grands-parents. Et de sa mère, mais nous ne lui avons donné aucune pratique religieuse puisque nous ne pratiquions pas ni l'un ni l'autre. Il n'a absolument pas été élevé dans la religion. C'est un appel que vous avez reçu à quel âge, Jean-Baptiste ? L'appel de Dieu est venu à l'âge de 19 ans, en rencontrant des chrétiens qui m'ont interpellé par leur attitude, par leur joie de vivre. Et j'ai fait moi-même une démarche personnelle où j'ai demandé à Dieu de venir se révéler à moi, et Dieu vous se a faire répondu. Connaître. Et Dieu m'a répondu. Ouais. Alors pour lui, il lui est tombé sur la... Le Jean, ciel lui est tombé sur la tête. Les yeux, oui, déjà, il baisse les yeux, là, rideau, au moment où vous dites ça. Ouais. Entre un fils tatoué, percé, qui vit à son propre compte comme un petit chef d'entreprise, j'en connais d'autres, au regard de vos yeux de papa communiste, c'est pire d'avoir un fils comme celui que vous avez ou d'avoir un fils qui entre dans les ordres ? Ben, je serais mieux, tenté, hein. Je serais tenté de plaindre mon collègue, effectivement. Bon. Parce que c'est peut-être plus difficile à vivre que d'avoir un fils tatoueur. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un peu exclu du monde, des terriens en tout cas, exclu de votre famille et des espoirs qu'elle avait placés en vous ? Je ne me sens pas exclu du monde et d'ailleurs j'aime le monde, je continue à aimer le monde plus que jamais. Mais c'est vrai dans un choix qui est particulier. Mais je ne me sens pas pour autant coupé du monde. D'accord. On a bien compris le chagrin qui vous animait. On n'a pas bien compris exactement pourquoi. Il n'y a pas que cette histoire d'enfants et de petits-enfants. Il y a aussi l'impression d'avoir échoué dans votre éducation, dans l'éducation que vous avez transmise. Je me suis interrogé, j'ai cherché au tréfonds de moi-même. Je n'ai pas trouvé. De toute façon, je n'avais pas donné une enfance religieuse à Jean-Baptiste. S'il est tombé dedans, c'est parce que peut-être je n'ai pas assez surveillé. Il s'est peut-être trop rapproché du puits. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Ça vous fait rigoler, Baptiste, tout ça, ouais. Ben, c'est... Oui. Oui, parce que vous avez de l'humour sur vous, mais j'ai l'impression que le plus dur est quand même passé derrière vous et que c'est plus facile d'en parler aujourd'hui. Vous, ça a été plus facile de comprendre sa vie à partir du moment où vous lui avez rendu visite pour la première fois dans l'abbaye, vous avez vu comment tout ça fonctionnait. C'est cela, oui, parce que... Vous avez pu imaginer sa vie, quoi. Une de mes grandes peurs aussi, en plus, j'allais le dire tout à l'heure, en plus de l'absence de petits-enfants de Jean-Baptiste, une de mes grandes peurs aussi, quand il m'a annoncé qu'il voulait être moine, moine pour moi, c'était la contemplatif, trappe, quoi. Ouais, la ferme, trappe ouais. Les chartreux, et puis ne plus voir Jean-Baptiste. Alors ça, c'était également insupportable. C'est pourquoi d'ailleurs, ça a commencé à aller mieux dès lors que j'ai accepté, moi, d'aller voir Jean-Baptiste dans les monastères où il était, et puis que j'ai vu la manière dont il vivait, et que j'ai surtout vu qu'il était, ma foi, plus qu'heureux, qu'il rayonnait. Et alors là, j'ai commencé évidemment à fléchir. D'accord. À tomber dans le puits ? Vous croyez en Dieu ? Vous priez maintenant, vous ? Ah non ? Non, toujours pas. Vous approchez pas trop près du puits quand même, hein ? Est-ce qu'il y a, en revanche, des choses qui vous rendent complice, des éléments de la vie, des moments de la vie qui vous rendent complice ? Je ne sais pas si on peut dire des éléments de la vie, mais en tout cas, il y a, depuis 2 ans maintenant, un rapprochement, une complicité, une communion entre nous. Oui, au mot près. Voilà, hein, tu le dirais pas, tu le dirais autrement, mais... Non, mais j'ai compris, oui. Effectivement, oui. C'est ça, vous... Oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, le plus dur est passé. Je rappelle quand même que mon opposition a duré 10 à 11 ans. C'est quand même quelque chose dans la vie d'un enfant de 32 ans. Et depuis 2 ans, nous sommes de nouveau très proches, puisqu'il appartient à une communauté relativement ouverte, où nous pouvons aller lui rendre visite très souvent.
ce dont nous profitons peut-être un peu trop largement d'ailleurs, mais ça a permis effectivement... Il ne vous lâche plus. Voilà, je ne le lâche plus, trop content de l'avoir retrouvé. Et puis ça a nettement facilité les choses et maintenant je pense que sans arrière-pensée, j'ai accepté le choix de Jean-Baptiste. Bon, écoutez, maintenant, non pas celui de Sophie, non pas le choix de Sophie, mais celui de sa fille. Je pense que ça vous intéressera beaucoup. Il s'agit d'un choix religieux également. Et je vous demanderai d'ailleurs d'apporter votre commentaire dessus. Alors vous, votre fille, Sophie, elle a changé de prénom, contrairement à Jean-Baptiste. Comment vous auriez réagi si votre fille était rentrée dans les ordres comme Jean-Baptiste ? Ben, disons que j'aurais eu le malheur qu'aura ce monsieur, c'est-à-dire de ne pas avoir de petits-enfants. Que moi, j'aurais pas ce problème-là, puisque elle pourra me donner... D'ailleurs, elle est enceinte, là, de peu, donc je vais pouvoir, moi, avoir des petits-enfants, contrairement à ce monsieur. Maintenant, je m'aperçois, ça fait 10-11 ans que son fils est rentré au couvent. Moi, ça fait 16 mois. Je crois que j'ai encore beaucoup de chemin. Quel âge a-t-elle ? Elle a 20 ans. Et ça fait officieusement 3 ans et officiellement 1 an que je le sais, donc 16 mois. Et non. Je n'accepte pas. Elle porte la djellaba aujourd'hui ? Elle porte la djellaba, le tchador, elle fait le ramadan, elle fait les 6 jours en plus du ramadan. Elle jeûne le lundi, elle jeûne le jeudi. Elle ne fait pas les choses à moitié, alors. Non, elle les fait complètement. Et bon, mais physiquement, c'est surprenant pour une jeune femme blonde aux yeux bleus, c'est ce que vous disiez. Oui. Dans la rue, bon, je ne sais pas, quand il se promène dans la rue, s'il se promène avec son fils, le regard des gens, moi, quand je me promène avec ma fille, il y a le regard des gens. Le tchador, bon, je ne sais pas comment il peut... Vous voulez dire un mot là-dessus, Jean ? Oui, le regard des gens dans la rue, lorsque j'ai la chance de me promener avec Jean-Baptiste, ne me gêne absolument plus. Vous comprenez ce que madame ressent à la messe ? Tout à fait, oui. Parce que ça fait un moment, peut-être, c'est ça. Moi, ça fait que 16 mois que je le sais. Oui, c'est ça. Comment vous l'avez appris ? Comment vous l'avez appris qu'elle souhaitait se convertir ? Sa petite sœur en avait marre de la couvrir, au propre et au figuré. Et elle a tout balancé. C'était le ramadan, donc la grande ne mangeait pas. Elle faisait semblant d'amener la petite au McDonald's pour sortir. Et comme ça, elle, le midi, ne mangeait pas, mais la petite mangeait. Tout ça sous couvert, sous secret de la petite. Et il arrive un moment, je pense, où à 13-14 ans, un secret comme ça devient trop lourd à porter. Et c'est pour ça qu'elle en a parlé. C'est la petite qui avait 13-14 ans, hein ? Oui. D'après ce que vous savez, je vous en ai parlé avec votre fille, j'imagine, quelles sont les raisons de sa conversion ? Au départ, c'était pour un garçon. Et ensuite, ce garçon-là, elle l'a laissé tomber et elle est restée dans la religion. Et elle est aujourd'hui avec un garçon qui est également musulman ? Elle est avec un converti, un Camerounais converti. Depuis 3 ans aussi. Et bon, ça se passe très bien. Aussi. Mais... Vous avez des bonnes relations ? Oui, très bonnes, oui. De quoi vous souffrez, madame, alors ? Je souffre pour l'instant du changement de vie total, parce qu'au niveau des réunions de famille, c'est plus possible, puisque chez les musulmans, il ne doit pas y avoir d'alcool, il ne doit pas y avoir de porc en général, quoi, si vous voulez, un peu tout, quoi. Et bon, chez eux, c'est pas ça du tout. Est-ce qu'elle a l'air heureuse ? Est-ce qu'il y a une lumière qui émane d'elle comme... Elle est très heureuse. Ah, elle est beaucoup plus calme qu'avant. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas, peut-être, ou difficilement dans le choix de votre fille ? Je n'accepte pas qu'on ait une religion qui se voit. On peut avoir une religion dans son cœur sans pour autant l'afficher. C'est-à-dire vous êtes gênée par Baptiste aussi qui bon, porte son lui, c'est différent, puisqu'il est dans une abbaye. Moi, ma fille aurait très bien pu se convertir à l'islam sans pour autant porter le tchador. Parce que je vous assure que c'est très lourd. Vous allez dire, je me répète, le regard des gens, mais c'est très lourd à supporter. Quand vous rentrez dans un restaurant, que vous avez... J'ai 4 enfants, donc les 3 autres sont... comme mon mari et moi. Et quand vous rentrez, ça jette un froid. Quand vous rentrez dans un restaurant, ou que vous allez n'importe où dans les magasins, ça jette un grand froid. Quand on a préparé cette émission avec la psychanalyste Claude Almos, elle nous a dit porter le tchador, ce n'est pas anodin. Vous voulez dire quoi, Claude, par là ? Je voulais dire que, enfin, un choix comme ça, il faudrait toujours essayer de savoir ce que ça veut dire pour quelqu'un, ce que un homme ou une femme cherche dans un choix religieux. Quand on change de religion, par exemple, on cherche un autre système symbolique, d'autres valeurs que celles de ses parents. C'est vrai que le tchador, ça me frappait parce que ça cache le corps. C'est à la fois extrêmement visible, extrêmement voyant. Vous dites que ça vous fait souffrir, d'ailleurs, et c'est vrai. Là-bas, d'ailleurs. Hein, et ça cache complètement le corps. Et quand une femme choisit un système symbolique dans lequel il faut cacher le corps, peut-être que ça dit quelque chose. Je sais pourquoi, qu'elle a... mais j'accepte pas, quoi, si vous voulez. Pourquoi ? Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a eu des problèmes dans l'enfance avec son père et je pense que ça a découlé de là. Elle a voulu ça pourrait. Elle veut cacher son corps, si vous voulez, aux autres hommes par rapport
à ce qui s'est passé avec son père. Peut-être, et puis c'est un système où il y a des règles, où il y a des lois, et ça permet de vivre un système où il y a des règles et des lois. Ouais. Oui, et d'autres lois que celles dans lesquelles elle a vécu enfant, c'est certainement très important pour elle. J'accepte pas. Mais c'est très difficile à vivre pour vous, bien sûr. Ah oui, là, bien puis sûr. Pour mes autres enfants aussi, parce bien qu'elle sûr. Aimerait bien convertir sa petite sœur aussi. Pas mes deux autres, parce qu'ils sont trop petits pour l'instant, mais elle aimerait bien convertir sa petite sœur aussi. Pourquoi vous avez souhaité témoigner anonymement ce soir, Sophie ? Par peur du racisme, parce que je ne veux pas qu'on pense que je suis raciste. Jocelyne et Géraldine Germano. Jocelyne, c'est la maman, où est-ce que vous êtes toutes les deux ? Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous avez deux micros ou un seul ? Un seul. Deux, ça ira mieux pour parler en même temps. Il y en a deux. Ça sera plus agréable. Jocelyne est donc une maman plutôt catholique, pratiquante et de droite. Madame. Géraldine, vous êtes une fille, sa fille, franchement athée. Franchement. Et de gauche. Et de gauche. D'accord. À quel moment vous avez pris conscience de vos différences ? Puisque c'est ce qui nous réunit ce soir, les différences. Géraldine ? Bah, moi, au moment où j'ai commencé un peu à réfléchir à tout ça, quoi. Donc, je sais pas, je devais être au lycée. Je pense quand je suis rentrée au lycée, quand j'ai commencé à discuter politique avec des copains. Quand j'ai commencé, j'avais toujours eu dans les oreilles un discours de droite, forcément. C'est-à-dire ? C'est-à-dire un discours plutôt libéral, des propos plutôt très matérialistes, très axés sur l'argent, parfois des propos racistes qui me gênaient beaucoup. Et je suis arrivée dans un univers où on parlait de tout, enfin, où j'avais aussi bien des copains socialistes que communistes, etc. Et donc je me suis rendu compte déjà qu'il y avait autre chose, ce qui m'a soulagée. Et puis... C'est plaisir, madame, hein, d'entendre des choses pareilles. Élever une petite fille pour arriver à des choses pareilles, ça fait quand même plaisir. Non, et puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus ce qui m'attirait, quoi, ce vers quoi j'étais d'accord. Vous comprenez ce que dit votre fille ? Ah oui, oui, tout à fait. Vous l'acceptez ? Ah, tout à fait, oui. Vous l'avez toujours accepté ? Oui. Les dialogues ont été quelquefois un petit peu animés. À quel propos, par exemple ? Je crois que les plus grosses disputes qu'on a eues, c'est à propos du racisme. C'est les plus gros... Vous êtes raciste, madame ? Non, je ne suis pas raciste, mais il y a des choses que je n'admets pas. Quoi, par exemple ? J'aimerais pas voir ma fille avec un musulman. Ça a été le cas ? Je crois pas que ce soit du racisme, je crois que c'est plus la peur de la différence, en fait. Ouais, souvent, le racisme naît d'une peur. Hein. Vous avez vécu avec un musulman, mademoiselle, c'est ça ? Non, je n'ai pas vécu. J'ai eu mes deux premiers petits copains, il se trouve que c'était deux musulmans, deux Marocains. Donc comme c'était juste en plus à la période, ça a été aussi un concours de circonstances, c'était juste la période où moi je commençais à affirmer mes choix, où je commençais à parler de mes opinions politiques, où j'ai en plus commencé à leur expliquer que j'étais athée, et à leur expliquer pourquoi j'étais athée, ce que eux, enfin mes deux parents, ma mère comme mon père, comprenaient pas du tout, parce que j'ai reçu une éducation religieuse, baptisée, la communion, etc. Donc ils comprenaient pas, école religieuse, enfin bon bref, la totale. Donc il comprenait pas du tout pourquoi est-ce que... Il n'arrivera pas ce qui est arrivé au monsieur là-bas. Non, ça c'est clair. Vous auriez préféré, madame ? Non. Non. Non, on sent qu'il y a eu quelques frottements, mais on mesure pas bien l'étendue de l'écart. On a appris à s'accepter parce qu'on est arrivé à une situation où à chaque fois qu'on aborde un sujet important, que ce soit la politique, que ce soit la religion, que ce soit même mes choix scolaires, mes choix professionnels, enfin tous les grands domaines entre guillemets de la vie, mes choix amoureux entre guillemets à certains moments, on s'engueulait, on s'insultait, enfin ça devenait invivable. Donc il y a eu un moment où on a pris le parti de dire, comme on s'aime à la folie, enfin je suis très proche de mes parents, je veux dire je vis plus chez eux depuis un moment, mais on s'appelle tous les jours, on s'adore, moi je leur ai toujours tout raconté, c'est aussi pour ça qu'il y a eu des conflits, je veux dire si je leur avais pas dit qu'à 17 ans j'avais un petit copain Vous préfériez les conflits musulmans. Ah oui, bien sûr. Oui. Plutôt que de perdre cette complicité. Ah oui, tout à fait. Vous préférez que ça pète, mais au moins qu'il se passe quelque chose. Ça pète moins parce qu'on en parle moins, parce qu'on sait qu'on n'est pas d'accord, je veux dire. Vous évitez quelques sujets, quoi. Bah voilà, il y a un moment où, comme on sait que de toute façon, moi, je ne vais pas devenir RPR demain, surtout en ce moment, c'est évident que... Non, mais enfin, il n'y a pas de secret. Ah, c'est facile, vous dites ? Parce que la campagne ne va pas tarder à commencer. Parlons-en, madame. Non, mais c'est vrai que pour reprendre le débat de ce soir, il y a des moments, les propos, y a des moments où je me dis, mais c'est pas ma fille. Ouais. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas possible, on est trop différentes. Ouais. Et puis il y a des moments où vous l'acceptez ? Ah, mais je l'accepte tout le temps, bien sûr. Peut-être que l'avoir bien élevée, c'est lui avoir donné la possibilité de faire ses choix à elle, non ? Absolument. Disons qu'avec l'âge, c'est pareil, elle est moins rebelle. Ça a été au lycée que c'était plus difficile. Ouais. Quand elle a quitté le petit cocon, une école religieuse, se retrouver au lycée, c'était... La vraie vie. La vraie vie. Pour elle. Ouais. Comment vous expliquez une telle différence entre vous et votre maman ?
Charlie. Je sais pas trop. Il y a eu un moment où je me suis demandé si c'était pas pour être juste différente, un besoin d'être différente. Je crois pas que ce soit ça, je crois que c'est parce que je suis différente. Enfin, je suis différente à quasiment tous les niveaux, enfin, hormis physiquement, parce qu'il paraît qu'on se ressemble. Mais sinon, moi, je suis très exubérante, je suis très bavarde, je suis très expansive. Elle est plutôt timide, plutôt pas renfermée, mais elle a beaucoup de mal à... elle s'exprime pas tellement sur ses sentiments, et moi, beaucoup. Enfin... On sent ce qu'elle ressent quand même. Les opposés. Les opposés. Mmh. Mais quand même avec de l'amour entre vous deux. Ah, beaucoup. Ah, folie, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de tout ça, Claude, entre l'amour qui unit ces deux femmes et la différence qui les sépare également? Qu'est-ce que vous pensez des enfants qui sont si opposés à leurs parents, tout en étant si complices? Mais c'est drôle que ça paraisse si étonnant, parce que c'est plutôt... On peut concevoir que ça fasse souffrir les parents, parce que, évidemment, les parents cherchent toujours quelque chose d'eux-mêmes dans leurs enfants, c'est vrai. Les parents chargent, au fond, inconsciemment, toujours leurs enfants d'une mission. D'abord, c'est quelque chose qui assure aux parents une continuité au-delà de la mort. Ça permet de supporter la mort, les enfants et les petits-enfants. C'est peut-être pour ça que c'est tellement douloureux qu'il n'y ait pas, dans certains cas, de petits-enfants. Et puis, on cherche aussi à ce que les enfants, au fond, réparent quelque chose ou accomplissent les rêves qu'on n'a pas accomplis, réparent ce qui n'a pas été bien pour nous. Bon. Et donc, il y a une pression sur eux. Mais quand ils ont réussi à sortir de cette pression et au contraire à devenir ce qu'ils avaient envie d'être, c'est le signe que la pression qu'on leur a mis, comme disent les jeunes gens, c'était pas si terrible que ça, et c'est plutôt le signe d'une éducation réussie. Et puis, ce qui paraît très très loin, c'est souvent assez près, parce que votre fille, quand même, vous lui avez transmis quelque chose qui est la passion des convictions. Elle n'a pas les mêmes que vous, c'est un fait. Mais elle en a. Mais enfin, elle en a. Ouais. Hein, et elle en a et elle les exprime. Donc il y a une parenté quand même, quelque part. Ça vient toujours de quelque part, les choix. Il y a juste un truc que je voulais dire, parce que ça m'a surpris tout au long du débat, ouais. C'est que je pensais être la seule qui pourrait parler d'amour ce soir, c'est-à-dire de dire je suis vraiment à l'opposé de ma mère, on est des différents monstrueux, mais on s'aime à la folie. Et je me rends compte dans chacune des histoires ce soir, finalement tout ce qui ressort, hormis les conflits, les histoires difficiles, etc., c'est l'amour. Je trouve ça hallucinant. Tu peux lui poser une question ? Oui, Lalou. Moi aussi, c'est une histoire d'amour qui est née avec ma mère, tout bêtement, parce que bon, c'était vraiment une obsession chez moi. Je l'ai détestée pendant très longtemps, parce qu'on n'était pas pareil. Il y a eu 15 ans, 20 ans de grosse haine, quoi. Je voulais vous demander si vous étiez énormément détruit avec cette différence. On ne s'est pas détruit, mais il y a eu un moment très compliqué, ouais. Il y a eu une période où... où c'était l'enfer, parce qu'on n'arrivait plus à se parler, on n'arrivait plus... Enfin, il y a eu un moment où je pense qu'on était... Parce qu'en plus, on a des caractères très forts, on était à deux doigts de la violence, presque, parce qu'on n'arrivait pas à trouver les mots pour se parler, quoi. D'accord, on va continuer, Lalou, dans un instant, et vous pourrez nous donner votre opinion, justement, sur votre maman, d'où vous êtes partie, comment elle a évolué, et la maman pourra répondre, et on verra s'il y a aussi question d'amour entre vous deux. Il me semble, bien sûr. Mais... Oui. Vincent Tournier est avec nous, juste sur la transmission. Où est-ce que vous êtes, monsieur Tournier? C'est vous. Bonjour. Juste sur la transmission des grands idéaux des parents vers leurs enfants, c'est au sein du débat de ce soir. Et justement, c'est votre métier, vous travaillez sur la transmission idéologique au sein des familles. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Institut d'études politiques à Grenoble. Généralement, est-ce que les enfants votent comme leurs parents, pour prendre l'exemple politique pour commencer? Alors, on n'a pas d'études sur le vote. On a plutôt des études sur ce qu'on appelle les préférences idéologiques et ce qu'on mesure à partir plutôt, disons, des clivages gauche-droite. On propose aux gens de se positionner sur une échelle gauche-droite, aux parents, aux enfants, et puis on compare ensuite les résultats. Il n'y a pas que gauche et droite, hein, il y a 7 positions différentes. Voilà, sont lesquelles? Ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. En passant par la gauche, centre-gauche, gauche, centre, etc. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'en gros, on peut dire qu'il y a un enfant sur deux qui se positionne comme ses parents sur une échelle gauche-droite. Donc ce qui montre qu'il y a à la fois... C'est-à-dire qu'il a choisi la même option sur les 7 que ses parents, pas sur les deux. Alors, sur les 7, en fait, ça tombe à un peu moins que ça. On doit être à 1 sur 3, à peu près. Et donc ce qui montre qu'il y a à la fois de la continuité importante et en même temps qu'il y a aussi des évolutions tout à fait considérables. Les ruptures radicales, comme dans le cas de Jocelyne et Géraldine, est-ce qu'elles sont fréquentes? Non. Alors ce qu'il faut dire, ce que nous montrent les enquêtes, c'est que les situations dans lesquelles les parents et les enfants sont très différents, c'est-à-dire qu'ils s'opposent très fortement sur plusieurs opinions,
religieuse, politique, par exemple. Voilà, tout à fait. Et de même que les situations inverses, c'est-à-dire où les gens sont très proches les uns des autres, sont minoritaires. Hein, disons que les deux grands modèles, celui de la rupture et celui de la continuité, ça existe, bien sûr, on a vu des témoignages ici, mais ce sont des cas minoritaires. Merci. Juste un dernier mot peut-être sur la religion, sur les conversions ou peut-être les passages de l'athéisme absolu au sacerdoce. Est-ce que là, on a des éléments aussi de réflexion et d'enquête? Oui. Alors là, les enquêtes montrent que, effectivement, la continuité sur le plan religieux est souvent plus forte, plus importante que sur le plan politique. Ce qui est assez, assez intéressant, justement, par rapport au témoignage que l'on a pu avoir, parce que, j'ai regardé les chiffres avant de venir, lorsqu'on a deux parents qui sont sans religion, 95% des enfants le sont à leur tour. Donc, ce qui montre bien que c'est un cas de figure qui est assez rare. Et je dirais qu'il est d'autant plus rare qu'en général, lorsqu'il y a des évolutions sur la religion, c'est plutôt dans le sens d'un détachement par rapport à la religion. Les cas de conversion, de retour vers la religion sont extrêmement rares, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que les parents ne sont qu'un élément dans le processus d'apprentissage, disons, des préférences idéologiques ou religieuses. Dans le cas de la religion, la société française est sécularisée, donc je dirais qu'il n'y a plus tous ces relais qui peuvent éventuellement venir renforcer la volonté des parents. Entendu, merci. Ludivine, est-ce que vous regrettez de ne pas vous avoir été baptisée quand vous étiez petite? Oui, beaucoup. Oui. Vous avez été baptisée, vous, Maryse? Oui. Et pourquoi vous n'avez pas fait baptiser votre fille? Ben, on ne m'a pas demandé mon avis quand on m'a baptisée. Ah oui, c'est vrai. Donc vous attendiez qu'elle donne le sien, quoi? Absolument. D'accord. J'estime qu'on n'a pas le droit de donner quelque chose. Mais elle ne m'a jamais demandé, est-ce que tu veux te faire baptiser quand même? Ben, c'était assez grande pour me le dire. Non, à 14 ans, quand j'étais en école catholique, c'était au moment du collège. Au moment du collège, on ne pense pas à la religion, on pense à autre chose. Moi, je n'y pensais pas. J'y ai pensé au lycée, j'y ai pensé quand j'ai voulu me marier à l'église, quand j'ai voulu faire la procédure et qu'on m'a dit non, c'est pas possible. Et pourtant, vous allez vous marier, donc alors pourquoi vous n'avez pas reculé la date du mariage pour pouvoir vous marier comme vous en rêvez? Parce que je le ferai après. Elle le fera après, je vais me marier civilement, faire la préparation et me marier religieusement après. D'accord. Donc on va voir comment ça se présente, parce que ce mariage avance à grands pas, c'est pour le printemps prochain, c'est prévu pour le mois de mai. On a profité d'un de vos passages, Ludivine, chez votre maman à Marseille, pour venir constater à quel point vous êtes différente dans vos idées autant qu'en apparence. On regarde ce reportage de Jean-Baptiste Clavry et Ludovic Porta, avant de parler dans la dernière partie de l'émission de ces différences de mode de vie entre parents et enfants. Ça va. C'est bien, nous, les roses aussi. Ouais, tout est coloré. Tout est coloré, ouais. Imagine si à ton mariage vient comme ça qu'il pleut, que ça décolle sur ma robe. C'est génial. Déjà, si tu viens comme ça. Oui. Oui. On te laisse pas rentrer. Je te rappelle que non content, je suis ta mère et je suis ton témoin. En plus, alors là. Je te fais une couleur normale. C'est quoi une couleur normale? Ben, c'est roux, c'est châtain, c'est blond, c'est brun. Voilà quoi. Donc, châtain, c'est bien. Et gris. Le gris, on dirait une mémé quand tu fais du gris. Hein. Mais là, on dirait pas une mémé. Là, on dirait une poêle. Tu veux pas que je me marie? Mais tu veux que j'ai des enfants? Moi, je ne fais pas des enfants si je ne suis pas mariée. Pourquoi? Parce que j'en ai bien eu, je ne pas mariée. Mais toi, t'as quatre, quoi. Mais si au bout de 5 ans, tu l'aimes plus, tu rencontres quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est possible. Mais je pense pas à ça, mais quand tu te maries, tu ne penses pas dans 5 ans à plus aimer la personne, quand même. Donc toi, à chaque fois, alors t'as rencontré mon père, tu t'es dit dans 5 ans, je ne l'aimerai plus. Maman? Oui? Tu fumes, là? Non. Plus tu mens. Elle a tous les vices. Fais-toi faire l'arrêt un peu tordu. Tu sais, l'arrêt comme ça. T'as pas de frange, t'as pas de dégradé, tu en dirais la Vénus de Milo. Là. Peut-être que ses enfants, je me dis, me ressembleront. Peut-être qu'elle aura une fille qui ressemblera à sa grand-mère. Peut-être. Quel malheur pour elle. Non, ce serait pas un malheur. Hein. Non, mais... Je me dirais que quand même, j'ai une faille dans l'éducation. Allez. Ah, Lydie, comme elle est belle. Elle est belle. Tu aimes pas du tout. Elle est belle. Bon, allez, allons-y. Oui, madame. Vous avez vu quelque chose qui vous plaisait, peut-être? Pas vraiment dans ce portant-là. Moi, je suis plus... Vous allez me montrer, si vous avez... Moi, ces deux-là, honnêtement, ça me fait... Ça vous plaît. C'est ce que j'aime le plus. Tout
simple, un tissu tout simple, oui. Pas trop de dentelle. Moi, je mettrais ça. Et encore, c'est pas tout à fait mon genre. Alors, ça, tu mettrais pas ça, honnêtement. Ben, je sais pas, il faudrait que je la voie dessus, moi, mais je pense que oui. Ah non, maman, alors ça, c'est hors de... On dirait un sapin de Noël. Tu te maries, ma fille, tu n'as pas un cocktail? Oui, non, mais quand même, c'est pas parce qu'on se marie qu'on est forcément obligé de mettre un voile. Il y a déjà une robe qui ressemble peu à une robe de mariée, si on peut dire. Enfin, qui oui. Si en plus, tu mets pas de voile... J'aime pas ça, maman. J'aime pas. Pour me faire plaisir, un petit voile court. Pour me faire plaisir, tu changes de couleur de cheveux. Elle a déjà une vie de... Pas de vieille, c'est pas ce que je veux dire, mais elle a une vie de... Elle est avec son petit fiancé, son petit mari, déjà, alors qu'à 21 ans, je sais pas, on va danser, on va traîner, on va... Je pense qu'elle est trop jeune. Vous vous mariez à l'église, Udiline ? Je ne peux pas. Parce que mes parents ont fait le choix de ne pas me baptiser. Et lorsque j'ai voulu moi me baptiser, donc je m'y suis inquiétée il n'y a pas longtemps. Et c'est 2 ans de préparation au baptême. Et le mariage, c'est dans 4 mois. Et je m'y suis pris trop court. Donc pas de baptême, pas de mariage à l'église. Je suis ravie. Je suis ravie parce que je crois pas du tout en Dieu. Donc, moi, je suis très déçue. Parce que je vois pas l'intérêt de se marier à l'église. Parce que ce qui compte, c'est le mariage civil. Et le mariage à l'église, Non, le mariage, c'est pas un état civil pour moi. Je ne vois pas aller tous les dimanches à l'église, mais j'ai une croyance. D'accord. Quand tu étais malade, maman, j'ai fait une prière. Ben oui. Ben oui. Je vais faire comme ça. Quelque part, la machine a dû dérailler. Oui, j'accepte. Tant mieux, peut-être que si on avait été parés, on ne se serait pas entendu du tout. Hein ? Loïc va aimer. Loïc, ben si Loïc aime, c'est le principal. C'est lui que tu épouses, c'est pas moi. Je t'ai gardé pendant 20 ans, donc je peux te prêter maintenant. C'est Luju ! Et Maryse. Mets du sucre. Moi, je veux le café. J'ai 2 cartes sèches. Oh, celle-là est trop bonne. Belote. Comment belote? Oh, vous calmez là. Il y a 3 ans qui passent. Si tu veux, mais t'aimes pas. On n'est pas au poulailler. Non, mais c'est. Ouais, non, mais. Voilà, ça y est. Ça? Alors, ça? Je sais pas trop ce que c'est, mais moi je mets ça, elle me... Quelque chose que tu mets avec ça. Ouais, non, mais si moi je mets ça, tu me laisses pas sortir. Ben, c'est-à-dire ça, comme c'est transparent, et on met juste ça pour dessus. Si moi je mets ça, tu me dis non, tu sors pas. Oui, mais parce que toi, tu avais 20 ans et que c'est pas là, C'est pire à 45, hein. Trop mémé. Pas du tout. Gris, noir, beige, marron... Tu pourrais mettre, je sais pas moi, des couleurs plus gaies, des choses moins... Comment elle habillait ta sœur, Clément, par rapport à moi? Ben, un pantalon, toujours. Et maman, est-ce que maman, elle est trop... Elle est comment, maman, quand elle est habillée? Ouais, un peu... Enfin, pour travailler, moi, ça, j'aime pas trop ça. Ce serait mieux un pantalon ou un... C'est un peu trop, quoi, hein? Ouais. Pour travailler. Pour travailler, ça craint. Pour sortir encore, ça va. Ah, et pourquoi pour travailler? Qu'est-ce qu'il y a de plus au travail? Au travail, on travaille, on fait pas la Mac. Ah! Ça, c'est le mérite d'être clair. Ah bon, au travail, on doit être sobre, classique, comme on dit. Sobre, on va pas travailler pour faire la belle, quoi. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Bonsoir, Maryse. Salut, Dédé. T'es venue voir ma parisienne? Eh ben oui. Coucou. Maryse spéciale, ça va mal. Elle est divine, elle est normale. Non, mais Maryse, c'est quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui a une forte personnalité. Oui, entière. Je pense elle est que entière. Je dois être entière. Non, mais chacun. C'est-à-dire, ou j'aime ou j'aime pas, peut-être. Voilà. J'ai pas de juste milieu. Ouais, c'est ça. Non, voilà. Je trouve que c'est ça, honnêtement. Elle a pas de juste milieu pour moi. La petite, beaucoup plus jeune, c'est gouaille, c'est normal. Hein. Mais enfin, pour être mère et fille, souvent elles portent presque les mêmes choses, les mères et filles. Elles deux, non. Hein. Pas du tout. À la limite, elle est plus moderne à la maman que la fille. C'est vrai que quand j'étais enceinte, il faut quand même reconnaître, je voulais
avoir une blonde aux yeux bleus, je ne sais pas pourquoi, peut-être un coup de... j'avais envie d'avoir une petite blonde aux yeux bleus. Quand le docteur m'a dit elle est blonde aux yeux bleus, mais je crois que c'était, je ne sais pas comment expliquer, un des plus beaux jours de ma vie. Je veux dire, quand je l'ai vue, c'était... ouais, c'est... Alors, ouais, je ne sais pas. Ah, mais tu as été comblée, ouais. Oui. Voilà. Donc, tu vois, la différence, il a fallu, parce que sinon, elle n'aurait pas eu les yeux bleus. C'est pour ça qu'elle a pris un blanc aux yeux bleus. Peut-être pas que tu pleures, tu es contente, au contraire. Si. C'est si. Une bonne chose, ça, d'avoir... Ouais, je voudrais pas la changer. Ah, ben, bien sûr que non, on dit. Ah, vous faites pas le Mac, là, hein? La Mac. La Mac. Oui. Qu'est-ce qui vous fait pleurer comme ça? Rien. Que le bonheur? Voilà, sûrement. Ça doit être ça. Qu'est-ce qui vous aime à ce point-là, Maryse? Vous? Oui, vous? Bien sûr. Sûrement, oui. Si, si, sûrement. Sûrement, oui, sûrement, oui. Je vous assure. À quoi vous repensiez pour pleurer? Ah, je peux pas vous le dire devant tout le monde. Pendant qu'on y est, vous connaissez Francis, non? Oui, je connais Francis. Francis était très curieux de voir vos tatouages, donc... Oh non. Non. Votre maman, vous êtes tatouée, Ludivine? Oui. Vous êtes tatouée où? Moi, c'est discret. Ah oui, Ludivine est tatouée également, tu peux voir, Francis. Mais... Comme votre maman. Oui, mais maman, c'est extrême. Elle va être très, très copine avec monsieur extrême, là-bas. C'est extrême. J'en ai beaucoup, quoi. Montrer, hein. Pardon, excusez-moi. Il y en a un là. Ouais. Ma mère va me tuer. Ouais. Votre mère va vous tuer, vous dites? Elle ne le savait pas. Il y en a un là. Il y en a un là. J'en ai un là aussi. Et il y en a un autre qu'on ne peut pas voir. Ah, d'accord. Je vous le montrerai tout à l'heure. Si vous... Merci, Maryse. Je vais avoir un peu de mal quand même parce que ma mère s'appelle Maryse. Donc, c'est un choc pour moi. Oh, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas les cheveux violets. On laissera jusqu'aux dernières nouvelles, non, mais peut-être depuis qu'elle vous a vu. Va savoir si elle n'a pas changé d'avis. Ah, voilà. À propos de quoi vous tombez d'accord toutes les deux? La famille. Ah bon, c'est-à-dire? L'importance de la famille. Le rôle de la famille, de la mère. De la mère surtout, du père, moi. C'est-à-dire, précisez. Ah, c'est maman d'abord. Hein. Pour maman. Hein. C'est-à-dire? Bah, il faut d'abord demander à maman, il faut tout faire pour maman, et puis papa un petit peu après. Ah bon? Bah, c'est-à-dire que papa, il n'était pas à la maison, donc c'est clair. Ouais. Je veux dire... Par un choix de maman. Oui, absolument. Ah, oui. Ah bon, parce que dit comme ça, on aurait pu penser à autre chose. Non, hein, non, ouais. Oui, c'est un choix. Ouais. Je les ai pratiquement élevés seuls, et voilà, donc... Du même papa, les trois? Non, pas du tout. Pas du tout, bien au contraire, les trois. Bien au contraire. On peut parler de l'éducation de votre fille et des conséquences que cela a eu sur sa vie d'adulte. Aujourd'hui, vous disiez dans le reportage, du bout des lèvres, hein, quelque part, la machine a dû dérailler. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, Maryse? Ben, c'est sûr qu'elle n'est pas comme moi, c'est évident. Ouais. Donc, ça a peut-être déraillé, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que je l'ai élevée, je ne sais pas, normalement... avec des principes, avec peu. Oui, peu, c'est-à-dire si, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Comme disait la dame tout à l'heure, on fait pas mal aux autres, etc. Et à partir de là, chacun choisit sa vie. Mm. J'ai des enfants très différents. Vous souhaiteriez qu'elle mène quelle vie quand vous dites qu'elle est un petit peu jeune, etc. Une vie quoi, plus dissolue, plus... Peut-être. Oui, c'est ça. D'accord. Qu'elle connaisse un peu plus de choses. Pas dissolue, non. Mais qu'elle connaisse peut-être un peu plus de choses. Quoi? Plus de choses ou plus de personnes? Plus de personnes, peut-être. Oui, d'accord, oui. Est-ce que vous comptez sur Loïc, donc son futur époux, pour la rendre un peu moins sage? Ah, je crois pas, non. Il est là, Loïc, on peut lui poser la question. Loïc, vous avez un micro, Loïc? Oui. Donc vous êtes le futur marié? Oui. Vous n'êtes pas changé d'avis jusqu'à après ce soir? Non. D'accord. Est-ce que Maryse est une belle-mère comme vous l'imaginiez? Extra. Ah bon? Extra. Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que j'ai à la fois le... Et voilà, j'ai une petite belle-mère et ma femme, qui sont complètement différentes. Mais c'est extra parce qu'elles se parlent comme deux copines. Et c'est le plus important parce qu'elles abordent des sujets où l'une ne va pas être d'accord avec l'autre. Mais à côté de ça, bon, bah, ils s'aiment tellement qu'à la fin, bon, même s'ils ne sont pas d'accord, on s'en fout, on s'aime et puis point barre. On parle, on les prend comme ça à part. Personne ne peut dire c'est la mère et la fille. C'est impossible. C'est impossible. Sûr,
il peut être sûr qu'elle ne me ressemblera pas en vieillissant. Parce qu'on dit souvent, regarde la mère, tu verras la fille. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Si elle fait ça, c'est que... elle a pris quelque chose avant. Ouais. Clément, qui est donc le frère de Ludivine, votre futur beau-frère donc est à côté de vous. Hein, vous êtes beau-frère tous les deux, ou presque. Clément, t'as aperçu dans le reportage. Qu'est-ce que ça veut dire faire le mac, notamment à propos de ta mère? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, faire la belle, quoi. Ouais. Un peu. Et qu'est-ce qui te gêne, en fait, qu'elle fasse la belle, notamment au boulot? Ben, le boulot, c'est pour travailler. Ouais. Et elle fait la belle, alors. C'est pas bon. Attends, moi je me suis coiffée, pourtant je travaille aujourd'hui, j'essaye de faire le mac un peu aussi, non? Mais tout le monde se retourne et la regarde, ça m'énerve. Ouais. C'est ça qui est impressionnant, vous vous baladez, par exemple, on y était il y a deux, trois semaines pour les fêtes, on était dans un centre commercial, bon, il y avait quelques jeunes, bon, je sais pas, moi, les jeunes ont 20 ans, vous allez pas regarder, bah, vous allez regarder une jeune de 20 ans, 25, 30 ans, bon, les jeunes, les regards m'arrivent, boum. C'est ça qui est extra. C'est que les jeunes, ils voient passer Maryse, c'est une tornade, à l'habiller de mauve. Même à savoir si les sous-vêtements sont pas mauves. Ça vous a... Alors, vous avez la réponse, Loïc, peut-être? Vous le saurez peut-être mieux que moi. C'est rigolo. Je vais interroger un père et un fils, maintenant. Yves et Claude, vous êtes, vous, père et fils. Est-ce que vous vous sentez assez proche de ce couple-là, dans le vôtre, à vous? D'une certaine manière, oui. Elles sont différentes, mais elles se supportent et puis elles s'apprécient, elles s'aiment, je pense. Vous ressemblez tous les deux, en tout cas, hein. Oui, physiquement, oui. Non? Oui, physiquement. On oui. Vous l'a déjà dit, oui. Oui, tout à fait. Et à part physiquement, oui. Vous ressemblez sur quels aspects? On est deux hommes. Ah oui, d'accord. Et deux hommes autour d'une table, c'est deux hommes qui ne sont pas d'accord? Disons oui. Qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose. Oui. Mais je retiendrai tout à l'heure ce que quelqu'un a dit au niveau de l'amour de parents-enfants. Ouais. L'amour est là, la différence c'est autre chose. Tout à l'heure, madame parlait d'être regardée dans la rue par rapport à la religion. Moi je suis regardé dans la rue parce que j'ai des tatouages, des piercings. Quand je suis avec Stéphanie qui a les cheveux rouges, tout le monde nous regarde. Ouais. C'est vous qui vous tatouez vous-même? Non, j'ai suffisamment d'amis tatoueurs. Puis maintenant, j'ai aussi un de mes fils qui est tatoueur, donc ah bon c'est bon, quoi. Quel âge ont vos enfants? 23, 19 et le plus jeune, 12. Et quel âge a votre petit ami? 18 ans. Ah oui. D'accord. Donc Yves, vous avez commencé votre carrière comme ouvrier, vous avez ensuite dirigé une mutuelle, donc on peut dire un métier au service de la collectivité. Vous êtes militant communiste depuis toujours, comme je précisais tout à l'heure. Claude ou Lucky, c'est comme ça qu'on vous appelle, préférez quoi? Mon pseudonyme professionnel en tant que tatoueur, c'est Lucky. Oui, ce soir, vous préférez qu'on vous appelle Claude ou Lucky ou Lucky? Ce soir, je suis le fils de Yves. Donc Claude. C'est Claude. Claude, à quel moment vous avez senti que vous seriez idéologiquement et professionnellement vraiment à l'opposé des choix de votre père? À quel moment dans votre vie d'adolescent ou d'enfant? Oh ben, je pense que j'ai dû commencer très tôt. Les souvenirs me font penser que c'est vers l'âge de 9-10 ans. En quelles circonstances, précisément? Mon père étant en parti communiste, tous les dimanches matin distribue l'humanité dimanche. Donc quand j'étais petit, eh ben, je faisais un tour de bagnole tous les dimanches matin pour l'accompagner dans sa tournée. Et puis un jour, j'ai vu une super voiture garée sur le trottoir, une Porsche 911 noire. Et puis je lui ai dit, un jour j'en aurai une. Et mon père m'a répondu, arrête de rêver fiston, c'est une voiture de patron. T'es fils d'ouvrier et c'est pas une voiture pour toi. En fait, vous êtes devenu patron par la suite. Vous avez d'abord commencé par un carrière de sommelier, qui est un des plus beaux métiers qui existent, je pense. Et donc, j'ai une formation de... Je suis diplômé en œnologie déjà. Bravo. Au départ. Et puis, très vite, vous avez ouvert un... J'ai été sommelier des 4 étoiles. Mais tout ce qui est côté hiérarchie, uniforme, même l'uniforme religieux, je supporte pas, quoi. Ça me file des boutons. Est-ce que vos différences ont été parfois vraiment dures à gérer? À certaines époques, oui. Plus du tout maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Dans quelles circonstances ça il y avait un peu d'étincelle? Bah déjà, quand j'ai fait mes études et que j'étais en costard avec le nœud pape et que je servais des bouteilles de champagne à 2000 balles dans un grand restaurant, ça allait, quoi. J'étais dans les normes. Le jour où j'ai tout lâché pour être tatoueur, ça fait bizarre. Vous pensez que votre parcours est en réaction par rapport à l'éducation que vous avez reçue ou par rapport à votre personnalité uniquement?
Par rapport à l'éducation, certainement. Beaucoup par rapport à la politique. Je ne supporte pas non plus la politique. Donc, et par rapport à ma personnalité. Quand vous entendez tout ça, Yves, ça vous fait encore mal au cœur ou est-ce que vous en avez fait votre deuil? Moi, j'ai fait mon deuil depuis longtemps, mais j'ai fait mon deuil pas seulement par rapport à mon fils. Mais quand votre fils est devenu patron, vous avez beau être tolérant, être de plus en plus tolérant prenant de l'âge. Il est patron, entre guillemets, parce qu'il n'a pas d'employé. Oui. Alors s'il exploitait des travailleurs, s'il exploitait d'autres salariés, s'il exploitait des salariés, sans doute que nos relations seraient un peu plus tendues. Est-ce qu'il y a parfois chez vous une once de délectation, Claude, à l'idée de choquer votre père et ses valeurs? Est-ce qu'il y en a eu? De choquer? Ouais. Non, je pense pas, mais de toute façon, bon, comme je lui dis souvent, l'erreur est humaine. En pensant à ses erreurs à lui ou à son... Ou aux siennes, quoi. Hein? Ou aux siennes, quoi. Vous pensez aux vôtres ou aux siennes quand non, vous dites ça? Je pense surtout aux siennes. J'ai l'impression que le communisme, comme tout parti politique, je pensais à madame aussi tout à l'heure, ce sont des prisons. On a une carte comme un numéro d'incarcération. On n'est pas libre. On écoute celui qui est au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de discussions. Et de toute façon, la politique ne fait pas avancer les choses. Quoi. Ouais. Enfin, si on se penche sur le passé, on peut se dire que le militantisme a fait un peu avancer quelque chose Pas grand-chose. Hein. D'accord, bien. C'est votre opinion et un truc dont je suis sûr, c'est que vous la partagez avec vous-même. Je ne suis pas tout seul à la partager. Mais vous n'êtes pas tout seul en plus à la partager. Morissette et Anne-Catherine, vos parents ont choisi de vous appeler Anne-Catherine. Anne-Catherine, vous avez décidé que ce serait Lalou. Quand est-ce que vous avez pris conscience que le chemin que voulaient vous faire suivre vos parents n'était pas celui que vous désiriez, vous, profondément, au fond de vous-même? À quel âge? Toute petite, je ne sais pas, 5 ans, ah bon 6 ans. Quel genre ou type d'enfant étiez-vous à l'époque? J'étais une enfant normale, joyeuse. Et puis donc, mes parents étaient deux personnes un peu introverties. Réservées? Ouais, voilà, réservées, intellectuelles les deux. Et puis, moi au milieu, donc j'étais tout le contraire d'une intello. Donc je me suis sentie très vite vraiment rien à voir avec eux, quoi. Vous souhaitiez être élevé différemment? Est-ce que vous l'avez pu l'exprimer à vos parents et dire comment vous aimeriez être élevé? Non, parce qu'on n'a pas conscience. Je me contentais de rêver d'avoir d'autres parents, quoi. Ça va être un peu dur à entendre, ça, non? Non. Non? Ça l'a été à un moment? Ça l'a été, oui. Dans quelles circonstances, à quel âge? C'est-à-dire que... Moi, je suis fille de maître d'école de la Troisième République. Alors, c'est vrai que pour moi, les valeurs, c'était l'école, les diplômes. Et que je n'ai peut-être pas compris à quel point elle était fantaisiste, rigolote, et que j'ai essayé de la couler dans un moule. Comment? De quelle manière? D'abord, en l'enquiquinant avec le travail scolaire. Ensuite, en préférant pour elle une école religieuse stricte, parce qu'elle était tellement extravertie, justement, qu'elle allait un peu n'importe où, n'importe comment. Et puis je crois aussi qu'il faut dire qu'il y avait une petite cousine un peu plus âgée qu'elle, qui, elle, a brûlé sa vie avec la drogue et tout, donc on a eu un peu peur pour elle parce qu'elle lui ressemblait. Donc on a pensé qu'il valait lui mettre des garde-fous. Jusqu'à quel âge? Oh, jusqu'à 16 ans. Et puis ensuite, dès qu'elle a pu, elle est partie dans des squats, elle a fait beaucoup de ce qui m'apparaissait à l'époque comme des bêtises pour affirmer justement sa différence. Et elle est tombée malade. Et je pense que quand elle est tombée malade et qu'elle est rentrée dans cette horreur un peu qu'est l'anorexie, ouais. J'ai fait un petit retour, un gros retour sur moi-même, et j'ai accepté de considérer autrement ce qu'elle était.
Et j'ai appris l'humilité, j'ai appris que, ben, que je m'étais certainement trompée, mais je pense que je me suis trompée de bonne foi. Comprenez-vous que vos parents aient pu souhaiter que vous leur ressembliez ? Oui. Ça, vous écoutiez religieusement votre mère, j'imagine que vous ne l'écoutiez pas exactement comme ça quand elle vous parlait, que vous avez 14-15 ans. Là, vous aviez les yeux comme ça quand elle parlait. Oui, elle parle bien, je trouve. Parce que c'est qu'elle aurait voulu que... Ben, mon frère a fait polytechnique, les doigts dans le nez, déjà. Donc, Ça, polytechnique, les doigts dans le nez, c'est rare. Ouais. C'est-à-dire que c'est un surdoué, intellectuellement, il a des capacités... Je veux dire qu'il a, il a marché dans le système. Bon, il a marché dans le système et il fait partie des gens qui n'ont pas besoin de faire 15 heures de maths pour avoir des bonnes notes. C'est-à-dire que bon, la veille de ses examens, toute la nuit, il bouquine des bouquins de maths. Et puis bon, le lendemain, il fait ses examens en se torchant la gueule 2-3 fois avant d'y aller. C'est comme ça que vous l'auriez raconté, madame. Exactement avec les mêmes mots, j'imagine. Oui, mais j'ai beaucoup de mal. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec la façon dont elle parle. Donc, et pour vous, quoi, c'était beaucoup plus difficile de vous inscrire dans ce système scolaire ? C'était pas possible. C'était pas possible. Moi, j'avais pas d'intérêt à... Bon, il y avait une mauvaise ambiance chez moi. Mes parents ont divorcé quand j'avais 18 ans. Donc, comme il y avait une mauvaise ambiance chez moi, ben, la chose importante qui me venait à l'esprit, c'est ben, de partir de chez moi, vu que je m'y sentais mal. Et donc, aller chercher dehors ce que j'avais pas chez moi, quoi. Est-ce que le fossé s'est parfois accru entre vous au point de vous dire qu'un jour vous alliez peut-être couper les ponts, plus vous voir, plus vous revoir, oui. D'ailleurs, à 18 ans, j'ai pas donné de nouvelles pendant plusieurs mois. Et puis, bon, je suis tombée malade à ce moment-là. Donc, en fait, c'est vraiment sans force que je suis retournée dans les jupons de ma mère, en fait. Que là, il n'y avait plus le problème de ce qu'elle voulait que je sois ou que je ne sois pas. C'est que bon, j'étais malade, j'avais l'impression que j'allais mourir et puis je suis allée lui demander de l'aide. Et puis bon, c'est à partir de là qu'on a commencé à communiquer. Quoi. D'accord. C'est-à-dire que c'était pour moi, tout d'un coup, j'ai réalisé que pour elle, c'était une question de... La reconnaissance, c'était une question de survie. Comment vous vivez aujourd'hui, Lalou ? Ben, super bien. C'est-à-dire... Enfin, super bien et en même temps... On a tellement manqué d'amour toutes les deux pendant 20 ans. On s'est tellement donné beaucoup de haine, d'incompréhension, tout ça, qu'on a tendance un peu trop à fusionner, en fait. Mmh. Et pour me faciliter la tâche, elle me responsabilise un petit peu. Et puis, moi, j'en profite. Donc, je suis devenue une grande enfant, quoi, après avoir été une adulte pendant... Pendant 20 ans, tout à coup, je suis devenue un gamin à 20 ans. Mais je suis heureuse quoi, d'avoir une mère intelligente qui a compris plein de trucs et puis qui a un amour. Quoi, c'est tout. Vous dites que Lalou vous a ouvert les yeux. Ouvert les yeux sur quoi exactement, madame ? Ben justement, sur tout ce qui est différent. Parce que pour moi, c'était... Pour moi, c'est ça, on ne se posait pas de questions. C'était ailleurs ou dans les autres familles qu'il y avait des enfants différents. Moi, c'était impensable, surtout. Son frère a 18 mois simplement de plus qu'elle. Bon, pour moi, la voie était tracée. Et vous avez donné la même éducation aux deux enfants ? Absolument. Peut-être demander à Claude Almos, d'ailleurs, ce qu'elle en pense. Absolument. On dit souvent qu'il faut faire attention à donner la même éducation à ses propres enfants, ne serait-ce pour pas qu'il y ait deux poids, deux mesures ou de jalousie. Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir complètement ce schéma Vous voulez dire une fratrie ? Oui, dans une fratrie. Absolument. Je crois que ce qui est important, c'est d'individualiser les enfants, parce que les enfants sont tous des êtres différents, et ils ont tous besoin de choses différentes. Et contrairement à ce que j'ai entendu dire tout à l'heure, c'est pas vrai que les enfants dans une fratrie ont tous les mêmes parents. Chaque enfant, dans une fratrie, s'il y a 5 enfants, ils ont chacun des parents différents, parce qu'ils sont nés à des moments différents de la vie des parents, parce qu'ils représentent inconsciemment quelque chose de différent pour les parents. C'est pour ça qu'il y a des enfants si différents dans les fratries. Mais en tout cas, ce sont des personnes aussi différentes que possible et ils ont besoin de choses complètement différentes. Il y a des artistes, des sportifs, dès qu'on a besoin de limites, dès qu'on a besoin qu'on leur lâche un peu les baskets, c'est très, très... Ils sont tous différents. Madame, vous pensez que vous étiez différente au moment où vous avez eu votre fils et au moment où vous avez eu votre fille ? Non. Non. Mais ils nous ont pas élevés tout de suite, là où ils ont été chouettes, c'est qu'ils ont tout de suite vu que j'étais pas une intellectuelle comme mon frère et ils m'ont surtout pas demandé d'être ça.
Ça, c'était un point positif, quoi. Alors, c'est très vite devenu... mon frère, on lui demandait des résultats scolaires. Et puis moi, plus grand-chose, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci à toutes les deux d'avoir parlé avec autant de franchise. Daniel Thompson dans un instant, mais d'abord une dernière invitée, Caroline de Benderne, va venir nous raconter son histoire pour clôturer en beauté. Sous les encouragements du public. Merci, madame. Bienvenue, si vous voulez une histoire avec Claude Almos, s'il vous plaît. Vous êtes un peu la Marianne française version 1968, puisque c'est vous qu'on voit sur une photo extrêmement célèbre. Je pense que, peut-être pas les plus jeunes, mais en tout cas les plus anciens comme moi se souviendront de cette photo qui a fait le tour du monde, qui a été publiée dans des dizaines de pays. Et c'était pendant donc les événements de 68, comme on les a appelés en France, en mai. Comment vous vous êtes retrouvé sur les épaules de ce jeune homme avec un drapeau vietnamien hautement symbolique en pleine guerre du Vietnam? Je me trouvais avec des amis, des artistes, dans la manif. Et c'était surtout des artistes avec qui j'étais. Et puis, à un moment, j'avais mal aux pieds. et Jean-Jacques... Histoire d'une légende. Ouais. Jean-Jacques m'a dit, si tu veux, tu peux monter sur mes épaules, porter le drapeau. Et moi, je me suis dit, c'est bien, c'est une bonne idée. Et je n'avais jamais porté un drapeau jusque-là, et je trouvais ça marrant. Vous étiez mannequin à l'époque, hein? Ouais. Ouais. Et puis tout à coup, il y avait des photographes autour de moi, et j'étais mannequin. Alors je me suis dit, faudrait que j'assure, ouais. Et que je pose. Et j'ai commencé à bien tenir le drapeau comme il faut. Et puis je me suis prise au jeu. C'est comme si j'étais piégée dans un rôle. Ouais. Et je suis devenue très sérieuse tout à coup. Je me suis rendue compte de ce lourd symbole que je portais. Et puis voilà, je pense au moment où je suis devenue le plus sérieux, le cliché a été pris. D'accord. Donc là, vous étiez porteuse de toute l'idéologie qui pouvait gouverner effectivement ce mouvement. Quand cette photo a été publiée, comment votre famille l'a accueillie, notamment votre grand-père? Très mal. Parce que mon grand-père... C'est-à-dire, mon grand-père, c'était un homme très riche. Et comme beaucoup de gens très riches, il aimait bien manipuler les gens avec son argent. C'était un aristocrate? Oui. Et puis, il était très snob, d'ailleurs. Et il avait toujours essayé de me diriger. C'est-à-dire, il avait déjà déshérité plus ou moins mon père, parce que lui, en deuxième noce, il a épousé une roturière. La fille d'un croupier catalan. Moi, il m'aimait bien. Et puis, il m'avait d'ailleurs envoyé dans les écoles de jeunes filles de bonne famille, tout ça. Et après, il a essayé de me diriger vers les gens, surtout de la noblesse déchue d'Europe. Je me suis retrouvée à Vienne. Et moi, j'ai essayé de faire ce qu'il voulait, mais ça ne m'intéressait pas. Pour moi, c'était un monde clos. Et moi, je préférais les musiciens. Et je me suis inscrite au... Ça fait rigoler, la loue, ça. Moi, j'aime les musiciens aussi. Je me suis inscrite à l'Académie de Vienne et j'ai commencé à jouer le piano. Et quand la photo a été, la photo a été publiée, votre grand-père vous a déshérité, comme il a déshérité votre père. Comment il l'a justifié exactement? Parce que, vous écouter, on comprend bien que c'est pas dans un grand mouvement idéologique que vous étiez lancé. C'est-à-dire que si je croyais dans les idées de l'époque, mais j'étais pas engagée dans un parti politique, ouais, ou, ce que je voulais dire. Ou rien. Mais seulement, malheureusement, cette photo a été publiée dans le monde entier, d'ailleurs, sans qu'on me demande mon opinion. Et naturellement, mon grand-père l'a vu. Et il m'a convoqué chez lui. Et puis il m'a dit que c'était affreux ce que j'ai fait. Et moi, évidemment, moi, je ne suis pas tombée à ses pieds et dit « Pardonne-moi, grand-père ». Non, moi, j'ai dit « Bon, mais c'est rien ce que j'ai fait. C'est bien, c'était super, ces gens sont super. Pourquoi tu te trouves avec ces gens-là dans une foule? C'est horrible ». Et puis bon, on était loin des princes autrichiens, là, effectivement. Hein? On était loin des princes autrichiens. Oui, oui, ouais. Oui. Ouais. Et
moi, je suis partie en claquant la porte. Et puis, étant donné qu'on s'est souvent disputé avec mon grand-père, à Vienne, d'ailleurs, il avait découvert que je ne voyais pas aussi souvent les gens qu'il voulait. Il m'avait coupé les vivres à l'époque. Puis après, ouais. On s'est réconcilié. Enfin, là, vous étiez une grande fille quand même de 28 ans. Il vous a coupé les vivres une nouvelle fois. Il vous a déshérité. Il y a une dernière fois parce qu'il est mort quelques mois plus tard. Ah oui. Vous regrettez ? Je regrette qu'il soit mort quelques mois plus tard parce qu'on aurait peut-être pu se réconcilier. Ouais. Mais je ne regrette pas mon action, je ne regrette pas mes idées, non. C'est parce qu'il ne faut rien regretter que vous ne regrettez pas ou c'est parce que vous pensez que vous avez eu raison ? Je pense que j'ai eu raison, oui. Même si je regrette de ne pas avoir autant d'argent que j'aurais pu avoir aujourd'hui, ça je regrette. C'est le cri du cœur, oui. Parce que bon, je ne suis pas très riche aujourd'hui. Et l'argent, malheureusement, c'est important. Est-ce que ce geste vous a néanmoins libéré par rapport à votre existence, par rapport à vous-même ? Peut-être, peut-être, oui. D'accord, merci beaucoup. Je demande à Daniel Thompson de nous rejoindre pour la conclusion. Daniel, si vous voulez bien. Sous les applaudissements, nourris, chaleureux, nombreux, Merci vous. Voilà, si vous voulez, parce que ça a été difficile hein, pour moi, pour nous, pour nos invités, de réussir à faire en sorte que toutes les histoires se mélangent et que les parents puissent comparer leurs points de vue, tant les histoires étaient différentes. Est-ce que vous, vous en avez, avec votre imagination de scénariste et votre écoute de l'humanité en général, tiré quelques conclusions ou est-ce que vous préférez revenir sur un retour un peu plus analytique ? D'abord, j'ai de cette émission beaucoup plus que j'espérais parce que j'ai 10 scénarios dans la tête. Je crois que chaque histoire est passionnante et assez magnifique. Et puis, je pense qu'il y a eu deux émissions. Je crois qu'il y a eu une émission sur de véritables drames et puis une émission sur les choses dont on peut faire un drame ou pas. Ouais. Il y a des choix, il y a... des modes de vie, il y a des choix de vie, et ça, ce sont des choses qui sont souvent difficiles à vivre. Et puis, il y a des choses impossibles à vivre. Je pense qu'au début de l'émission, on a évoqué des choses qui ne sont pas des choix de vie, qui sont des dérapages. Et je pense, en effet, que le titre « Peut-on tout accepter de ses enfants ?» d'abord, je crois qu'on n'a pas le choix, parce que, alors quand on s'aime, hein, les gens qui peuvent couper les ponts et dire « Je te déshérite, je te verrai plus jamais, on se voit plus », ils ne sont pas là ce soir. C'est ce qui est intéressant, c'est quand on s'aime et quand justement on essaye de ne pas faire trop de peine à l'autre et puis de garder le contact et puis de s'aimer et puis de construire les choses. Je crois que dans la première partie de l'émission, ce n'est pas un choix, c'est tout à coup voir un enfant. Puisque ce qui est très touchant d'ailleurs, c'est que tout le monde ici parle des enfants en disant « c'est un enfant » alors qu'on ne parle que d'adultes. Et on garde justement cette notion d'un enfant qui est en prison ou qui se drogue ou qui, parce que c'est toujours son enfant et que c'est ça qui est insupportable. On ne peut pas accepter ni supporter de voir un enfant se détruire. Mais on peut accepter et supporter de voir un enfant choisir autre chose, être autre chose. Ce qui est très beau, c'est quand madame a dit qu'elle voulait cet enfant blonde aux yeux bleus parce qu'elle avait déjà au départ envie d'un enfant qui était différent. Ça, c'est déjà un acte de générosité énorme. C'est que si elle avait voulu une fille avec des cheveux violets et des yeux rouges, ça aurait été plus dur. Oui, mais je leur souhaite beaucoup de petits-enfants avec des cheveux bleus. Trouver le père, ça aurait été difficile. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que c'était passionnant et que je crois que moi, enfin, moi c'est, en effet, c'est une de mes grandes sources d'inspiration et je suis passionnée par la manière dont, tout à coup, on va... se dire qu'une belle-mère qui a des cheveux bleus et des boules de Noël à son mariage, ben c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est plutôt drôle. Alors il y a des choses dont on peut rire, puis il y a des choses dont on n'a pas du tout envie de rire, bien sûr. C'est ça qui était formidable dans l'émission. Bon, merci Daniel. Daniel Thompson est scénariste, comme vous le savez, mais aussi comme son papa. Comme ton papa, réalisatrice maintenant. Je ne me suis pas révoltée du tout. Voilà, c'est ça. Metteur en scène comme Gérard Rouir, aujourd'hui, elle est réalisatrice de La Bûche, qui marche très bien, qui est sur tous les écrans français, qui est nommée 4 fois au César. Je vous dis ce que je pense. Mais vous disiez quelque chose tout à l'heure, oui. qui était la différence des enfants.
la différence. Vous en prie, Daniel. L'émission est terminée. Non, pas du tout. Continuez. Sur la, c'est une des grandes composantes de mon film, ça, qu'il y a ces trois sœurs. Et justement, elles racontent chacun un souvenir de Noël, chacune. Et justement, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est complètement différent. Alors que ouais. C'était le même père, c'était la même mère. Et à 5 ans de différence chacune, elles racontent, par rapport justement à la vie que menaient les parents à ce moment-là, quelque chose qui n'a rien à voir. Et c'est un des thèmes dont j'avais envie de parler avec mon fils, puisqu'en plus, mon fils a écrit le scénario avec moi, ça c'est encore une histoire de famille. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve ça absolument passionnant. Comme si les trois enfants avaient donc ressenti qu'ils avaient eu... complètement autre chose. Des parents différents. Ouais. La semaine prochaine, nous parlerons des dépendances. On va laisser de côté les dépendances à l'alcool et aux drogues, dont on parle beaucoup à la télévision, pour parler d'autres dépendances, par exemple les dépendances au sexe. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en passer, au moins 2-3 fois par jour. On en parlera à partir de mercredi prochain. Bonne soirée, merci, bonne nuit, au revoir.